Oula, oui, faut que j'active la webcam quand même. Pour une fois que c'est pas le micro que je fais sauter. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Pardon de mon départ ultra tardif de prise d'antenne, mais c'est le samedi qui veut pas. Déjà, mon ordi, j'ai pas compris pourquoi quand je l'ai démarré quelques minutes plus tard pour m'installer, je l'ai vu éteint. Je sais pas ce que Windows 10 m'a fait, mais il m'a désactivé l'ordi. Peut-être une mise à jour qui s'est mal passée, j'ai pas regardé le journal de l'ordi, je verrai ça plus tard, mais bon, je suis quand même là aujourd'hui. Bonjour Naïnonette, merci de ta présence et de ton aide. Et là, j'estime, je suis en train de me faire peur, j'espère que je me fais pas voler mon compte. Il réagit plus. Je saisis mon mot de passe par rapport à mon compte, il me dit on vous a envoyé un code sur votre adresse mail. Alors j'avais déjà fait ça le week-end dernier, c'était passé nickel. Là, le code, je le reçois plus. Donc, je suis en train de me faire peur. Attendez, je refais un test. Hein. Faut pas que je me gourre dans mon mot de passe, parce que j'en ai plusieurs. Concentration. La 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 la. Non mais j'espère que c'est leur serveur qui sature parce que je suis en train vraiment de me faire peur. J'espère qu'on m'a pas volé mon compte Steam. Là, je suis en train de me battre avec depuis 1 heure et il se passe rien. Bon, je garde un œil sur le. Puis la webcam qui commence à faire sa chiante. Allez, on y croit. Ah non, mais je comprends pas là. Il se passe que puique. Non, c'est inquiétant. Pour éviter le code par email et devoir donner le mot de passe à l'intervieweur, je t'invite à utiliser SteamGuard sur smartphone. Ah ouais, mais moi ce sera pas sur smartphone, ce sera sur tablette. Parce que smartphone, c'est même pas la peine. Même répondre à un appel, je suis de la merde. Alors, j'aime tellement pas l'interface du doigt qui glisse que parfois je raccroche au nez accidentellement à mes intervenants. Ouais, le grand classique de vérifier les spams, merci, mais j'ai rien de rien, je comprends pas. Je pige vraiment pas. Je reverrai à midi, je vais faire mumuse comme j'avais prévu. Mais pas cool quoi, ça me met mal à l'aise. Là, je comprends pas. Ça marchait le week-end dernier, ce week-end-ci, blanc, plus rien. Ouais, je mettrais SteamGuard sur tablette, ouais. J'essaierai peut-être faire de la manip à midi, tant pis si je reprends plus tard. Surtout qu'il faut que ça marche, parce que. Même le Worms Armageddon avec FunFan, je crois pas que c'est GOG, je crois que c'est Steam, donc il y a intérêt que ça marche, sinon il va péter un câble. Pour demain, hein. Demain c'est demain les vers de guerre, mais là je me fais peur. Je comprends pas, depuis 1 heure il se passe rien. C'est bizarre. Bon, je suis censé vous faire du Gran Turismo, mince. 4 tiers. Ah non, c'est pas Final Fantasy. Non, j'ai pas préparé le titre. Pardon. Et on est sur PS2. Nuance. Ouais, pardon du retard, mais là. La flûte, quoi. Alors, que je m'organise. Non, mais c'est pas une question. Ah oui, tu veux dire, oui, quand il n'y a pas de DRM, tu veux dire que tu veux le démarrer hors Steam. Ouais, ok. Musique trop forte. Bonjour et merci, Twinsen.
Oui, 12, ça suffit. Je pense que vous entendez largement. Oh, la tristesse, la misère, quoi. C'est le samedi qui veut pas. C'est triste, mais... Bon. Ah là là, en tout cas, vous, j'espère que vous allez bien. Ah oui, j'ai la berline allemande. Je dirais pas non, un petit championnat. Oh, je leur ferais bien le championnat allemand. Rien que pour le plaisir, allez hop. Ah, depuis la nouvelle version de Steam, il y a que des emmerdes. La précédente, elle était stable, elle était bien, mais là... Aïe, 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 aïe. Ah si, t'as vu une DRM? Ah. Ah ouais, il y a un contrôle de droit. Voilà, je me détends 2-3 heures sur Gran Turismo avec vous. Et j'espère que je vais pas trop grignoter de ma pause déjeuner de temps de diffusion. Parce que... Encore que... Alors, est-ce que je le fais... Normalement, à Aero, j'aimerais lui faire un relais de chaîne à 19h. C'était ce qui était déjà convenu le week-end dernier, mais il était pas en forme. Pour qu'on se retrouve chez FunFan. Ensuite, encore que peut-être chez moi, je sais pas comment je vais faire. Je vous réexpliquerai tout à l'heure, on verra. Mais la journée va être un peu particulière. Toujours ce soupir d'exaspération. Non, là, la plateforme Steam, sans déconner, elle m'inquiète. Elle m'inquiète parce que pas me retourner mon code comme elle l'avait fait le week-end dernier pour reprendre la main. J'aime pas ça. Oui, je suis ridatré. Bah, d'au droit, je suis déjà bien installé. Merci, mais là, je peux difficilement faire mieux. Je vais essayer de me rehausser un peu à la sortie, à la fin de la course. Là. Mais là, non, je suis bien installé, calé dans mon siège comme il faut. Ah, danger sans barrière. Bah tiens, pour ceux que ça intéresse, qui utilisent des points de chaîne, et je vous en remercie, j'ai bossé hier soir, et merci à Nachevman d'ailleurs, enfin je lui redirai de vive voix quand il sera connecté. Il m'a servi de cobaye dans Minecraft hier soir sur mon serveur. J'ai programmé de nouveaux trucs. Il y avait le zombie pour me patater à invoquer et l'orage. Et maintenant, vous avez, je crois, 4 nouveaux choix. Ouais. Vous pouvez... Alors maintenant, c'est des bonus. Vous pouvez donner aux joueurs Minecraft un lot de torches. C'est le moins cher. Non, c'est pas le moins cher. Le moins cher, c'est la soupe populaire. Vous donnez un bol de soupe de champignons à tous les joueurs. Ça, c'est rigolo. Les métaux, vous pouvez donner des... Mais là, ça coûte cher parce que ça... Ça aide vachement les joueurs. Des lingots de fer et des lingots d'or que vous pouvez attribuer à tous les joueurs connectés au moment où vous faites l'option. Il y a plein de trucs qui viendront le mois prochain. Je pense que je paie les joyaux. Le fait de donner encore plus cher, donner des émeraudes, qui est la monnaie dans le jeu, et des diamants qui aident à faire les outils et les équipements les plus solides.
me trouve brouillon là au pilotage. Oh mince. On peut mieux faire. Ah ah ah. Tu pourrais presque participer à ma course parce que c'est un. Tu pourrais d'ailleurs symboliquement. Puisque je suis dans le championnat allemand. C'est rigolo que t'aies dégoté une Mercedes. C'est rigolo. Concours de circonstances. Oui, donc ce que je viens de dire pour ceux qui veulent une piqûre de rappel, c'est dans la boutique. Putain, le tête à queue, j'aurais jamais dû le percuter. Alors attends, je me rengage quand il est passé. Voilà. Histoire de pas faire auto-tamponneuse, tant pis, c'est ma faute. Point d'exclamation boutique. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé un tête à queue après avoir tamponné quelqu'un. Bien fait pour la tronche. Ouais, dommage, j'ai perdu ma quatrième place, bêtement. Crevaison. Ah là là, Tinsen. Oui, donc je sais pas, je peux peut-être me. Non, je peux difficilement mieux m'asseoir. Hein. Mais bon. Accident. Oh. Fini, oui. Fini, fini. Par contre, le bon côté des choses de ce matin, j'ai eu plaisir d'échanger avec vous. J'ai eu une dizaine de messages privés sur. Sur Discord, alors surtout FunFan, parce que FunFan c'est bien, il a préparé des trucs, ça me plaît beaucoup. Là c'est bien. Mais pas que quoi. Et du coup, bah, le temps de mes déconvenues informatiques de ce matin et entre trop de tâches ménagères là que j'en profitais pour peaufiner, j'ai eu plaisir à répondre à pas mal de messages. Merci à vous les copains. J'ai pas freiné, je me suis contenté de la décélération, c'était juste. On a vu que j'ai failli sortir du tracé. Mais les berlines de course allemandes, je les adore. Elles sont vachement bien équilibrées, enfin pour moi. Je vous avais déjà expliqué qu'à chaque pilote correspond un profil et on va dire une philosophie de pilotage. Et à chacun son type de bolide. Là j'ai trop mordu là, vous voyez, j'ai perdu du temps. À force de vouloir bien exploiter toute la surface de la piste, je suis trop gourmand et ça se retourne contre moi. Là dans un bon ralenti, on verra derrière moi de la poussière soulevée et peut-être quelques débris de bord de piste. En mode blagueur. Oh non, je me suis réécouté, vous savez, le direct de samedi soir où j'avais une mousse dans le cornet. Alors, je me suis pas fait autant honte que ça. Je me suis bien fait rire. Mais on sentait que j'en avais gros la patate la semaine là. Là, je vous rassure, je suis beaucoup plus relax cette semaine. Il y a des moments comme ça. Mais c'est bien, c'est un bon moment où on a échangé et ça me fait bizarre de me dire que j'ai tenu une demi-heure, trois quarts d'heure en juste en bavardage, tronche en gros plan sur mon antenne, à échanger avec vous. Je m'attendais pas à ce que ça arrive de si tôt, ce genre de concept en fait. Mais bon, c'est bien si tout le monde y trouve son compte. Je suis ravi. Ah, et je vais parler technique, ça va plaire à, entre autres à Tunsen, et merci pour vos retours. Effectivement, j'ai commencé à réécouter le direct qu'on a fait dimanche de camion, et là j'ai eu le problème inverse du précédent. Il y a 15 jours, j'avais ma voix qui était hyper faible comparée aux intervenants. Et là, c'était le contraire, c'est moi qui avais une grosse voix et les autres qu'on n'entendait presque pas. Donc, l'idéal, c'est qu'il faudrait qu'on entende au moins un petit peu les sons du jeu. Bon, tant pis si on n'entend pas ma musique en arrière-plan, ça ferait presque trop de canaux audio qui se confondent simultanément. Là encore, je laisse en optionnel la musique.
Mais il faudrait que quand je fais le camion, je baisse le volume de mon micro, histoire d'avoir une bonne balance de son. Le problème, c'est ceux qui sont pas abonnés à ma chaîne, ça me fait un peu peur. Mais ça concerne que Twitch, une fois que ça arrive sur YouTube, normalement il n'y a plus le souci là. Quoique je dis ça, non, je dis peut-être des âneries. Le fait que les pubs sont super amplifiées, ceux qui m'écoutent pour s'endormir, ça la fout mal quoi. Parce que ça fait. Vous allez avoir votre sono qui va gueuler dès qu'il y aura une pub. Ça c'est terrible et j'y peux rien. Il faudrait que j'arrive à tout équilibrer les sons en mettant l'émission de mes sons de mon côté à fond, et c'est loin d'être mon fort. Tu devrais rajouter en gage avec tes points de chaîne un retournement vertical et horizontal de la fenêtre de capture et de jouer comme ça. Oui, bien sûr. Oh mon dieu, ce serait horrible. Oh non, quelle horreur. Ouais, l'inversion des touches. Non, 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 ça se fera pas. Oh non, c'est trop de torture. Faut que ça reste un plaisir. Mentalement, là, vous me goacrez. Je pourrais pas. Eh ben, dis donc, c'est le championnat des extrêmes, dernier ou premier. Bon, c'est vrai que tour de Chaouf, là, du premier tracé, c'était... J'ai fait nimp. As-tu essayé de séparer la voix Discord dans un cap... Certainement pas, non, et je me vois pas le faire, je t'avouerai, tu une scène. Parce que mon souci n'est pas binaire. Dans le sens, c'est pas ça marche pas. C'est juste un réglage de son de voix. Et de toute façon, ton câble virtuel, à double titre, ça ne me servirait pas. Pourquoi? Parce que, imaginons que j'ai un Discord qui est neutre, et c'était le cas au début, c'est comme ça que je m'en suis aperçu, d'avoir tout le monde à 100% au niveau des voix. Tout le monde, enfin chacun de son côté, n'émet pas la même puissance sa voix. Par exemple, Christella, elle a une petite voix, mais en émission. C'est-à-dire que je suis obligé de l'amplifier par rapport aux autres pour qu'on puisse l'entendre. A l'inverse, Nainone, lui, il a une voix forte. Il a un micro bien optimisé quand il envoie le pâté et le rein, si je puis dire. Il envoie quelque chose de bien. Ah merde, je suis en train de me voir que c'est un tracé assez sombre et j'ai pas changé le mode graphique de ma dalle de téléviseur. Donc c'est très très sombre pour moi. Il va falloir que je change de mode le temps du week-end pour jouer. Autant quand je bosse, ça me pose pas de problème. Autant là, quand je joue, il faut que j'ai un contraste plus appuyé. Attendez, comme je suis en quasi ligne droite, pardon, je me permets de changer mon mode d'affichage maintenant. Image. Attendez voir. Wow. Ah non, dynamique, ça me flingue les yeux. Cinéma, il y a un effet bizarre. Attendez. Machin. Sport, c'est bien. En plus, il y a de l'économie d'énergie activée, mais je vois mieux. Bonjour, Olive qui tue. J'espère que ça va bien. Moi, ça va, merci. À part mes soucis techniques de ce matin, là, ce que j'ai raconté. C'est pour ça que je suis si tardif. Tu peux ajouter un fil sur ta fenêtre de capture. Tu parles de mon contraste, tu une scène. Mais non, mais le téléviseur, la télécommande, ça me suffit. Va. Enfin bref, merci de tes conseils, mais... L'essentiel étant que je trouve mes repères. Donc tout ça pour dire que Vom Vom Camion, la prochaine fois, j'espère que j'aurai la bonne balance des sons. Enfin. On y croit. Et on voit que mon bolide n'est pas optimisé pour chaque tracé, parce que c'est le deuxième tracé où je suis en bout de ligne droite, je suis au taquet au niveau de la boîte de vitesse et du moteur. Je suis au sixième rapport et j'ai encore... c'est pas le moment de freiner, merde, je mords. Voilà, là je vois mieux. En plus j'ai un effet de clair-obscur qui est beaucoup plus classe.
D'un tel point qu'il faut que je reprenne de nouveau vos repères. Parce que j'avais les repères quand c'était bien sombre. Et là, maintenant que j'ai de la lumière, ça me perturbe. Merde, je fais de la mouise. Ah, con, je perds ma première place. Je suis très brouillon, là. Voilà. C'était sûr. Bon. J'ai du mal à me placer. Oui, c'est la sortie de tunnel où je suis rapide, où j'arrive à les dépasser. C'est la portion la plus rapide du tracé, en fait. Là, j'ai bien piloté, là. Je fais bien mes intérieurs extérieurs. Je crois qu'il reste un tour. Si je fais pas l'idiot, je vais essayer de le faire propre. Hop là. Et le temps du ralenti que je laisserai pas en entier ou ne serait-ce que juste un tour, j'aurai le temps de me désaltérer et de lire vos messages dans le chat. Là j'ai trop freiné. J'étais trop prudent. J'ai perdu un peu de pêche au niveau de la vitesse que j'avais emmagasinée. J'aurais pu jouer davantage sur l'inertie du véhicule. Surtout que les berlines allemandes, elles sont bien lourdes, donc l'inertie, ça déconne pas avec elles. Les forces en jeu, on les ressent. Voilà. Et encore, là, je me laisse de la souplesse, je fais moins pro. Là, j'ai moins fait l'extérieur parce que j'ai trop freiné, mais... J'essaye d'assurer ma victoire, en fait. Ah bah voilà, j'ai battu mon record de tour. Une 4, 8, 5, 5. Alors, 855. Ouais, je l'ai presque battu de 3 secondes. Bon, bah c'est bien, c'est mieux. Alors, c'est là où je bois un coup. Alors, t'as remonté quoi, Olive? Une Corégone du lac de Constance. Ça fait presque, vous savez, les noms aristocrates en particules. C'est parce qu'il y a le 2 Constance. Ça fait classe. Alors, Olive, préviens par avance. T'es claqué, mais genre vraiment. J'ai certaines tâches ménagères à faire, donc je risque de lurker pas mal et de repop de temps en temps. Tu fais comme il te sent, Olive. Je te souhaite vraiment du fond du cœur la meilleure journée possible. Te bouscule pas. D'ailleurs, fais gaffe. Eh, tiens, je vous ai pas raconté celle-là. Je me suis blessé cette semaine codement dans mes tâches du quotidien. Lundi, je me suis froissé un muscle du dos et ça me tirait 3-4 vertèbres. Et par deux fois, deux nuits dans la semaine, je me suis retourné, ça m'a réveillé parce que j'avais encore mal au muscle. Le truc con, quoi, j'ai failli me faire un claquage. Bonjour Gabriel, comment vas-tu? Merci à toi d'être là. Ah, vous me mettez en joie à vous voir si nombreux. Merci, merci. C'est quoi tous ces smileys couchés en bas de l'écran? On dirait des cadavres de smileys. Oui, et puis là, en plus, t'as la chance d'avoir le... C'est rare d'avoir deux fois gros format. C'est bien, il y a beaucoup de gros formats aujourd'hui. Normalement, Westboot est programmé pour laisser que des gros formats dans 10% des cas. Un cas sur 10. Ah, voilà, là, c'est un petit format. On est revenu à la normale. Mais c'est bien, on voit le détail des belles émoticônes. Allez-y-vous. Défoulez-vous, profitez, vous avez bien raison. Surtout que là, c'est sans préjudice pour moi, c'est le ralenti. Oui, tiens, je t'ai clippé. C'est le dernier clip que j'ai fait quand je revisionnais le camion. J'ai pas encore tout revu parce qu'on avait fait 10 heures de camion, un truc de fou. Ah oui, vas-y, fais une pluie de portraits de Minette, Olive. T'as raison. Surtout qu'elle est mignonne comme tout, alors. Même moi, je vais en profiter. Vas-y, vas-y. Alors, pour réussir un bon bombardement, il vaut mieux mettre 5-6 émoticônes par ligne et attendre quelques secondes entre chaque ligne. Que si vous mettez 30 émoticônes, elles passeront pas toutes en même temps. D'ailleurs, je me demande même s'il n'y a pas une punition de mon Westboot qui va vous dire doucement sur les émoticônes, vous êtes éjecté 10 secondes.
Mais là, tu vois, t'en as fait une dizaine et il y en a trois qui sont passés. Vaut mieux en faire. Oh! Il est en toupie, celui de Gabriel en haut. Ah la vache, il se fait désirer. C'est le côté aléatoire des animations. Ah, bah tiens, il vient de se faire exploser en vol. C'est rigolo. C'est bizarre. Ah, on vient de. Il passe à table, le troll. Oui, c'est dommage. Minette n'a pas été retenue dans les agrossissements de portraits. Ah oui, Père Noël, ouais, on va pouvoir le faire en décembre. Ah, ça c'est une petite balle de relais de chaîne Red Twitch. Ouais, tu vois, sur les quatre, une scène, il n'y en a qu'une qui est passée. Il y a quand même une épuration pour pas faire trop saturer l'écran. Oh, fausse commune, mon Dieu. Dis pas ça, c'est horrible. Ah, c'est un crapaud, oui, de Twitch que Gabriel vient de jouer. Une scène, le n'importe quoi de chez Bastos, qu'on salue, l'ami Bambastos qui bosse aujourd'hui, normalement. Bon courage à lui. Oui, c'est bien, c'est le foutoir en émoticône. Eh bien. Ah oui, gros format là, bien. Oh, presque la tête droite, presque. Ah, c'est rigolo. Bonjour cousin, merci à toi d'être là. Ah là là. Eh bien. Ah, la tête de Raptor, là, le Raptor Jésus. Oh, le raton laveur, dommage qu'il soit retourné. Ça y est, c'est votre jeu du matin, c'est balancer les émoticônes. Oh mon Dieu. Mais je sais même pas jusqu'à combien on peut en avoir, vous savez, cumulé à l'écran. Je sais plus s'il y a une limite. C'est quand même une charge graphique pour l'ordi. On sert ses gadgets, mais quand même, hein, quoi. Pour l'application, c'est du Minecraft, boulot. le jeu le plus vendu au monde, plus de 200 millions d'exemplaires, est le jeu favori du sage. Rejoignez-vous aussi le serveur de jeu sur lsdn.craft.vg émoticône souriant. Lorsque le jeu est diffusé, n'hésitez pas à vous rendre dans la boutique pour provoquer des événements en direct. Il n'est pas nécessaire que vous possédiez Minecraft afin de pimenter notre aventure. Mesdames et messieurs, voici votre programme. J'ai eu un doute, je me dis, est-ce que j'ai mis à jour mon agenda? Ouf! Oui, j'ai pas oublié. Oui, mais alors le coup de faire du Tetris, machin, vous savez, je pense aux boîtes, aux jeux d'attraction fêtes foraines, avec la pince à choper la pluche. Là, on dirait franchement que c'est ça. Ça me fait penser à ça, moi. Voilà. Du coup, on a vu tout le ralenti, le temps de se déchaîner avec les émoticônes. Ah, on s'amuse comme on peut, hein. Ah là 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 là. Oui, je vais finir par plus voir mon jeu, ouais. C'est déjà limite. Là, on va voir les informations que je peux lire. Oh, Laguna Seca, il est technique. Là, il faudra que je me concentre. Je rigole, mais là, il faudra que je me concentre. Le célèbre tracé américain. Cap de remplir. Je sais pas si vous pouvez remplir tout l'écran. Je crois qu'il y a une limite, mais je sais plus laquelle à ce niveau-là, en fait. Ils sont fous. Mais pourquoi pas, c'est un jeu en soi, hein, je vous comprends. Aïe aïe aïe. Je vais essayer de faire ma course avant de plus voir l'écran. Et là, on a entendu Nainonet, t'as reconnu Réglisse, ton félin de salon, je t'avais dit que je te chipperais le son. Quand il avait fait un superbe waouh à l'antenne. Et tu vois, je l'ai associé à l'émoticône du chat qui a été lancé par Gabriel. C'est marrant comme tout. Par contre, j'ai pas. Je l'avais promis à Edge, enfin à vous tous, mais Edge était très enthousiaste. Le coup où j'ai enregistré de la mousse que je me servais dans mon mug, où ça faisait comme dans une pub télé, j'ai pas encore. Ça viendra, j'oublie pas, hein, mais j'ai pas encore programmé ça. J'ai pas eu le temps. Là, j'ai préféré hier soir m'acharner sur le Minecraft. Parce que ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas proposé de nouveautés à ce niveau-là. Et comme on est de plus en plus nombreux à participer au serveur, je me dis c'est sympa, ça vaut le coup
Là, je sais même plus à quelle vitesse je roule. J'ai plus mes kilomètres heure. C'est n'importe quoi. Ah, vous êtes terrible. On voit que je lui ai mis la pression devant moi. Là, il a fait de la poussière de frein. Il a pilé et il a freiné tardivement, quitte à partir à la faute. C'est quand même là où ça fait partie des points positifs de l'intelligence artificielle du simulateur. Je sais qu'elle est souvent décriée dans la saga où ils ont un comportement trop robotique et pas assez humain. Mais quand même, il y a des trucs qui sont pas mauvais. Pom, 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 pom. Là. Eh bien. Allez, concentration. Si je suis dans le rythme, je peux faire quelque chose de propre. Les deux. Oh, c'est culotté ce que je viens de faire. Cool. Mais c'est passé. C'était pas trop. C'était plutôt propre. Attendez, je sais même pas. Alors attention, le souci à faire mes muses avec les émoticônes, c'est que même moi je vais avoir du mal à vous relire. Quoique là, c'est faux. Pourquoi? Parce que je suis sur console, donc je vais garder le curseur de ma souris sur l'ordi. Et je vais pouvoir remonter le chat si certains d'entre vous m'ont écrit des trucs. J'inspecterai au moment du ralenti, là, à l'arrivée. Qu'il y ait personne, que je mette devant à personne, parce que je supporte pas ça. Je tiens à répondre à chacun de vous qui prenez le temps de m'écrire. Merci, merci. Ah, c'est le logo de Deadmau5, un groupe que j'aime beaucoup de musique électronique. C'est rigolo d'ailleurs qu'ils aient été sélectionnés pour les smileys. C'est bizarre. Parce que je sais qu'ils sont populaires. Moi, j'avais remarqué qu'ils vendaient des banques de sons pour ceux qui veulent faire de la musique. On peut acheter leur banque de sons extrait sonore pour faire ses propres compos. C'est bien, ils sont très actifs au niveau de la musique électronique. Mais on voit plus rien en bas. Oui, au niveau de mes indicateurs, c'est une catastrophe. Foutoir. Je crie au scandale. Alors, attendez, ça a commencé au miaou. Voilà, je verrai plus mon jeu. Cap de remplir. Je vais changer mes draps, heureux. Oui, tiens, d'ailleurs, tu me fais penser. Moi, il faudrait que je secoue les miens. Oli va remonter une corégone cupéoïde. C'était pas une corégone déjà tout à l'heure? Attends, je remonte le chat. Oh, oui, c'est une corégone du lac de Constance. Tu collectionnes les corégones, tu vas t'en faire un collier. Je croyais qu'il miaulait en boue. Pourquoi t'as été... abus d'émoticônes. Bah tiens, cousin, j'ai vu que tu t'y es mis aussi. Bah, c'est bizarre, pourquoi Nainonet, t'as eu la sanction de trop d'émoticônes parce que t'en as pas mis tant que ça. Tiens, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre, je comprends que tu cries au scandale. C'est bizarre qu'il y ait eu un... Attends, je pige pas. Ou alors c'est cumulé depuis le début de la diffusion. Oh non, c'est pas le point qu'on a plus mis. Gabriel, il en a mis pas mal hein, en cumulé. Ah oui, je pense qu'au score, c'est Gabriel qui en a le plus. Mais... Ah oui, je comprends pas pourquoi c'est... Ou alors t'as fait usage de mes émoticônes. C'est peut-être ça en fait. T'as peut-être trop abusé de mes émoticônes. Alors que les générales de Twitch ou des autres chaînes, ça passe. C'est bizarre. C'est bizarre. Là, je pourrais pas dire. Avec que je revois dans la coulisse comment c'est programmé, mais... Mmh. Oserais-je vous dire les mystères de l'informatique ?
D'ailleurs, je vais regarder le coût de mon compte mail pour voir si j'ai vous savez, le code de déverrouillage de Steam, mais il se passe rien. Attends, là, ça m'inquiète, là, parce que si je perds la main sur mon compte, je suis dans la merde. Et ça pourrait me mettre en péril pour cet après-midi, parce que si je récupère pas mon compte Steam cet après-midi, ça veut dire que mon programme va être chamboulé. Je vais être condamné à faire des jeux console en roue de secours. Pas cool. Enfin, pas cool. C'est mieux que rien, mais... Non, non, je comprends pas. Attends, le mail là. Ouais, il m'avait envoyé un code le week-end dernier, je le vois. Et là, que puis-je? Je revérifie courrier indésirable, les spams, les pourriels, comme on dit, et je vois rien. J'ai rien dessus de Steam là, c'est pas normal. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Oh, je refais un essai. Oui, sur ça, je dis mon Dieu, dans ta frénésie. Attendez, moi je vais voir si je peux pas reprovoquer mon Steam. Quand même dingue. Attends, je refais une tentative, j'ai envie de dire désespérée, mais c'est un coup à ce que je bloque mon. Pourquoi ça marche pas aujourd'hui, Steam? Voilà, il me dit on vous a envoyé un courriel à votre compte, mais je reçois rien. Mais ils ont pas une panne de serveur. Alors, Down Detector ne dit rien, mais. Alors, actualité Steam, il y a un jour. Non, 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 c'est de l'actualité de vidéoludique, c'est pas une histoire de soucis. Pa, 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 pa. Bizarre. Ça sent pas bon. Je sens que mon programme va être bousculé à cause de ce pépin technique et que je vais passer mon week-end sur de la console. Mais ça me mettrait en péril pour Worms Armageddon demain. Alors là, il va gueuler, Funfan. Ouais, faut que je mène l'enquête à midi. Bizarre. Oui, comme, comme tu dis, Ney Nonette, là, quand il va savoir que je. Il va gueuler. Il va gueuler. J'espère que je vais résoudre pour demain mon histoire de Steam, mais c'est très bizarre. J'ai eu aucun souci le week-end dernier. Du premier coup, j'avais repris la main, j'avais eu le code. Et là, de ne pas l'avoir eu après 3, 4, 5 essais, je compte pas là, mes tentatives. C'est pas du tout normal que d'un week-end à l'autre, ça marche plus. La seule nouveauté, c'est que. C'est que j'ai accepté Nash comme ami dans Steam. C'est pas ça qui est un truc perturbateur, quoi. Parce que comme il fallait qu'on se voit qu'on se retrouve virtuellement parlant pour le Von Von Camion de dimanche dernier.
Ah si, j'ai peut-être ajouté un jeu dans mes souhaits grâce à Pop and Repop. Là, il m'a fait découvrir sur son antenne un truc, un jeu très intéressant, une espèce de Minecraft de l'espace. Mais non, non, c'est bizarre. Ouais, essaye de débloquer Steam Guard. Mais je ferai ça à midi. À midi, je vais m'installer le Steam Guard sur la tablette, comme tu dis, et puis je vais faire le nécessaire pour reprendre la main, mais ça m'inquiète, quoi. Alors, c'est pas la première fois que je vous avouerai que j'aurais des problèmes avec Steam. J'en avais eu par le passé, j'avais été piraté par un gars qui avait une boîte mail en Allemagne. Et il était parvenu à prendre le contrôle de ma bibliothèque et d'y installer un jeu de flipper, mais frauduleusement. Donc, du coup, c'est moi qui ai eu la punition, en fait. J'étais dégoûté. J'avais plus le droit pendant, je sais plus, 2-3 mois de faire usage de contenu additionnel, ce qu'on appelle le workshop. Et je sais plus quoi. Et j'avais un compte bridé en punition, quoi, du piratage. Sauf que j'étais la victime. C'était pas moi l'instaurateur du piratage. Et j'ai pas réussi à faire valoir mes droits auprès de Steam à l'époque, hein. Ça remonte à plusieurs années. Et pas cool, quoi. Et là, j'espère que c'est une panne du serveur de Steam. Et non pas moi qui me serais fait pirater mon compte de jeu et quelqu'un aurait enregistré une autre adresse courriel, quoi. Oh, je pense pas, mais c'est enquiquinant. Oui, bah oui, tu m'étonnes que je suis pas connecté à Steam depuis 5 jours. C'est voilà, mon loisir en semaine, en fin de journée. C'est Minecraft quand je suis sur Linux, comme c'est compatible Linux Minecraft. C'est mon seul jeu, à part 2-3 bricoles sous Linux, mais du genre le jeu de cartes solitaire ou un jeu de Yam que j'aime bien. Je fais rien d'autre. Je peux lancer. Je pourrais m'amuser à lancer des vieux jeux DOS, machin sous Linux, ça passe aussi, mais j'ai pas reconfiguré ça. Et voilà quoi, en semaine, j'ai aucun intérêt de me connecter à Steam. C'est pour ça que c'est indiqué que je suis pas connecté depuis 5 jours. Mais non, mais c'est bizarre. Pourquoi ça a marché le week-end dernier? Ou alors ils ont fait une modif Steam cette semaine où ils ont entre guillemets peaufiné leur nouvelle version de l'application. Et moi, je suis perdant dans le lot en fait, pour une raison inconnue. L'émission de leur code de vérification est foireux. Et du coup, bah, je peux pas reprendre la main sur mon compte. Ça fait suer. Ah, si j'arrive pas à résoudre rien qu'aujourd'hui, je n'ose imaginer demain, mais rien qu'aujourd'hui, si j'arrive pas à reprendre la main, ça voudrait dire que je pourrais pas faire les bibis avec vous, je pourrais pas faire Fear par exemple. Pas de Stardew Valley ou je sais plus quoi que j'avais prévu dans mon agenda du jour. Ah, est-ce que je vous refais du Gran Turismo cet après-midi? Oh, je vais essayer de varier et faire autre chose. On va voir, je vais peut-être improviser cet après-midi. Si malheureusement je suis toujours en situation d'échec. Aïe 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 aïe. Ou alors je vous fais du Minecraft cet après-midi. Alors, quoique non, Minecraft, je suis censé vous en faire demain, puisqu'on ne fait pas de camion, on va faire les vers de guerre, la Worms chez FunFan. Et Minecraft, ça me permet de prendre l'antenne quand je veux et d'arrêter quand je veux, puisqu'il n'y a pas de rythme imposé. Non, Minecraft, c'est ce qui était prévu demain. Donc, je sais pas. Franchement, je sais pas. Ah là 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 là. Mon Dieu, mon Dieu. Révolution. Oui, cousin. Ouais, c'est ça, cousin Rio. C'est l'homme à la tête de lion, Neinonet. Anciennement Frobos MC, pour ceux qui n'ont pas fait le lien de changement de pseudonyme.
Alors, je te lis, Neinone, justement. Et tu n'es pas en apparence connecté sur Steam, mais tu n'es pas connecté depuis 5 jours, donc tu n'as pas été piraté. Et le dernier jeu lancé, c'est ATS. Ouais, ok, merci pour l'info. Mais c'est super bizarre, quoi. Pourquoi j'ai plus le code maintenant? C'est quand même pas ma boîte mail qui déconne. Attends, je vais me déconnecter, rafraîchir et recommencer. On va voir. Attendez, vous allez voir mon ralenti un petit peu en attendant, mais je m'acharne à essayer de résoudre le. Qu'est-ce que c'est que ce bins? Non, ça change rien. Je me reconnecte à ma boîte mail, je fais actualiser, j'ai toujours pas de code. Qu'est-ce que c'est que ce bordel-là? Oh, ça faisait longtemps que Steam n'avait pas été autant défaillant. Je viens de voir mon miniature sur le Discord de la prise d'antenne. Je fais la moue, je fais la gueule. Oh là là! Oh la tristesse! Oh mon Dieu, je suis obligé de mettre un message. Ah, oh la tristesse sur ce visage. Ah. Bon, j'ai des pépins techniques. Mais quand même. Oh la tronche! Ah, ça fait peur! Aïe, aïe, aïe. Allez, retentative de connexion à Steam. C'est la dernière sur PC de tentative parce que après je passe au SteamGuard sur tablette parce que. Pam, 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 pam. Voilà, il me dit qu'il m'a envoyé un code à nouveau et. Bon. Je reçois rien. C'est dingue ça. Je sais pas si certains d'entre vous sur PC ce matin ont essayé de se connecter à la compte Steam. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a foiré? Ouais. Bah d'ailleurs dans la nouvelle interface, là, il me propose un QR code. Donc au pire, je le scannerai avec ma tablette une fois que j'aurai installé l'application ce midi. Mais oh là là. Bon, normalement, j'ai gagné le championnat là. J'ai bien piloté. Oui, ça marche. Bonjour Chris, j'espère que tu vas bien. Que t'as plus de souffrance au genou là. Est-ce que tu t'étais pris le pylône là, ce que tu avais raconté tes misères au boulot. J'espère que tu vas mieux, Chris. Oui, ça marche, ok, cousin. Pourquoi ça marche pas pour moi? Oh, moi qui adore la couleur rouge. Ah, je sais pas si je l'avais la coccinelle de compète. J'ai la Clio Renault de compétition, Renault Sport, mais la coccinelle de compète, je suis pas certain. Attendez qu'on vérifie, je vais faire un classement de mes bagnoles par ordre alphabétique. Volkswagen normalement. Non, non, c'est le nom du modèle d'abord. Merde, la coccinelle, je sais plus c'est quoi son nom. New Beetle, ouais. Ah si, je l'avais déjà en grise. Je l'avais déjà en grise. Oh, je vais peut-être garder les deux. Ah oui, j'en ai une optimisée et une non. En rouge, elle est belle. Oh, j'aime bien. Oui, dans l'immédiat, je vais la garder. Non, je voulais pas la sectionner, c'est pas grave. Ouais, ça va mieux, c'est bien, c'est cool. Oui, moi ça va, à part des soucis techniques. Déjà le coup de mon ordi qui s'est rééteint quand je l'ai allumé ce matin, j'ai pas compris. Mais bon, ça m'a fait perdre bêtement du temps de prise d'antenne, mais bon. Et là, le Steam qui est foireux, pour moi, je comprends pas, mais bon.
Je crois que je l'aimais bien la 400R. Attendez, je vais regarder ce que je peux faire. 800 chevaux, la vache. Elle est puissante, la bête. La bête. Attendez, Ligue Pro, parce que c'est en Ligue Pro maintenant que je suis censé évoluer. Dream Car Championship. Non, là c'est trop. Attendez. Championnat GT japonais. Pourquoi pas? Je vais pas tout de suite me lancer dans le championnat en lui-même. Par exemple, Côte d'Azur. Voilà, je vais essayer la Côte d'Azur individuellement. Je vais voir si ma bagnole est suffisamment puissante pour être avoir le potentiel d'être vainqueur. Parce qu'on a un tel haut niveau de compète que je veux quand même avoir déjà du suspense pour vous à l'écran. 20 tours. Oh la vache. Si je me lance dans le championnat, il va durer 5 heures. Waouh. Oh là, je me suis fait piéger dans le trafic. Alors, Chris Gogot disait une de crash en direct hier. Ah merde, avec écran bleu. Oh, la frustration. L'écran bleu de la muerte. Enfin, je dis écran bleu de la mort parce que c'est un classique des informaticiens dans les précédentes versions de Windows. Quand votre ordi crashait, le bleu est la couleur qui était retenue par Microsoft. Pour signaler les graves erreurs sur les PC. Bonjour Nachevman, j'espère que tu vas bien. Oui, pardon, tu vois, j'étais tellement accaparé hier soir sur ma coulisse de Minecraft que j'ai lu tardivement ton bonne nuit dans le jeu. Et j'espère que ta nuitée a été bonne. J'étais à fond dans la coulisse, tu sais, à programmer les nouvelles options là. Je peaufinais mon joujou. Attends, je suis de la merde en pilotage. Ma voiture elle est pas trop mauvaise, mais je suis pas concentré. Je suis plus concentré à vous lire dans le chat que piloter, ce qui est pas bien. J'ai peut-être pas, alors qu'un événement de chaîne vient de se produire, merci à vous. Bonjour à tous, il est 11h22, je pouvais être peu la émoticône souriant. Ah, bonjour FunFan. Ah oui, t'as renouvelé ton abonnement, c'est très gentil, merci. J'espère déjà que tu vas bien. Ma voiture est pas optimisée, je fais des auto-tamponneuses. Elle dérape beaucoup trop, ma voiture. Qu'est-ce qu'elle me fait? Elle est vachement mal réglée, ma tuture. Elle est pas... Oh là là, elle est pas naturelle. J'arrête la course parce que c'est un massacre. Je peux pas être performant avec une bagnole pareille. Faudra que je fasse des tours, je sais pas quand. Oui, pas de soucis pour ça. Oui, ça va bien et toi? Oui, ça va. À part les soucis techniques, moi je vais bien, je vous remercie. Bien content d'être en week-end. On va changer de tuture. Merci pour ta générosité. Les gains des abonnements, entre autres, vont dans la cagnotte de la chaîne qui permettront d'acheter des jeux, de faire des projets en commun. Je vous tiendrai au courant régulièrement, mais un gros merci à toi. Oui, merci et bisous. Merci et bisous. Merci et bisous. Merci et bisous. Merci tout plein. C'est gentil. Bah, à l'aveugle, parce que j'ai le signal là, du gros cœur dans mon retour. J'arrive à l'aveugle à me souvenir de la combinaison de touches pour obtenir ce que je veux. Elle monte à combien? Ah non, ouais, la voiture de... Ah, je l'ai pas utilisée, elle est zéro compteur. Oh. Mais elle est pas assez puissante, la voiture de rallye, pour que je gagne ce genre de compète. Il me faut vraiment une tuture de... Comment on appelle ça? De Grand Tourisme. Ça, par exemple. 1000 chevaux. Oh, wow, je me souvenais pas qu'elle faisait 1000 chevaux, la NSX.
Oh, j'essaye la Artan SX pour le... Oh, ça peut être jouissif. Merde, non, justement. Rallye, non. Rallye, on a fini. On a tout gagné, Rallye, hein, je crois. Oui, j'ai toutes les coupes. Je me souviens que j'avais fait une session spéciale Rallye un samedi matin avec vous et on avait remporté toutes les bagnoles. C'est cool. C'est cool. Vas-y voir que je reteste mon Monaco là pour. Attends, une bagnole de 1000 chevaux là, normalement je devrais les tenir en respect. Il n'y a plus qu'à espérer qu'elle soit bien équilibrée dans les réglages mécaniques. Ouais, ça va, fun fan, c'est cool. Pom 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 pom. Qui a des mojitos? Oh, c'est plus la saison de savourer un mojito à l'apéro, là, on arrive dans la saison de mort. Oui, ouh, la vache. Hop, hop, hop. Oh, tu sens qu'elle est puissante, la Honda NSX. Faut maîtriser le monstre. Ah oui, là, je peux les tenir en respect, là. Oh, la vache. Wow, les 1000 chevaux de la bête. Oui, oui. Attends, si je pouvais le dépasser proprement, lui. Mais Monaco est pas un circuit à dépassement. Ce qui fait en partie son charme. C'est le genre de tracé, vous, votre qualif, en fait, c'est la moitié de votre course. C'est-à-dire que vous êtes bien qualifié, vous avez à moitié course gagnée sur ce genre de tracé. Merde, Oh, je maîtrise plus du tout cette portion de tracé. Ah, j'ai les pneus arrière qui semblent s'user plus vite que l'avant. Donc ça veut dire potentiellement un rééquilibrage à faire. Oh la vache! Comment qu'elle tremble à la... Elle sautille ma voiture quand je fais usage des freins. Les freins sont peut-être trop serrés, les mâchoires de disque. Et il faut peut-être que je sois un peu plus souple avec ça et que j'anticipe davantage mon freinage parce que punaise. Elle se met à vibrer comme c'est pas permis. Oula, oula, je l'ai tamponné alors qu'il était en mauvaise trajectoire. Ah, je pourrais me défendre sur le championnat avec cette tuture-là. Alors, si je me lance dans ce grand championnat que je tente de gagner, parce que là je fais encore deux petits tours d'échauffement à Monaco, et je serai tenté de lancer le championnat. Mais le championnat va durer longtemps, parce que c'est 10 courses, et c'est des courses qui durent 3 quarts d'heure, j'ai l'impression. Donc, c'est le genre de championnat, si je suis condamné à faire de la constance cet après-midi, on fera la deuxième partie cet après-midi. Ce circuit de l'enfer, ouais, mais qui est réputé. Tiens d'ailleurs, ce qu'on pourra faire dans notre future session bavardage camion là, je vais pouvoir vous parler de cette principauté d'opérette qui est Monaco, le rocher des Grimaldi là. Pourquoi donc? Parce que ma maman a eu le plaisir et la fantaisie d'y passer une journée en vacances cet été. Et je lui ai demandé en souvenir cadeau, je lui ai demandé est-ce qu'elle me ramène un bouquin sur l'histoire de la principauté. Et elle m'a ramené un bouquin justement sur un pan d'histoire des Grimaldi. Ça vaut le coup. Donc j'aurai pas mal de trucs à vous raconter. C'est vraiment un monde à part. C'est waouh! C'est intéressant, je vous invite à mémoriser si je le fais pas ce sujet de conversation, les Grimaldi Monaco, quand on fera du camion et que j'aurai des âneries à vous débiter à l'antenne, là, histoire d'occuper de. Enfin, de papoter, comme vous le savez. Et ça vaut le coup. Franchement, j'ai commencé à lire le bouquin. Et bon, voilà quoi.
je sens que je vais pouvoir faire mon bavard. J'ai déjà appris des trucs sur la famille Grimaldi. Mais le moment n'est pas venu de vous narrer, et puis j'aimerais m'imprégner suffisamment de la, on va dire, de la culture locale avant de tout déballer. Mais intéressant, je dois l'avouer que c'est une dynastie intéressante. Mais j'avais déjà fait une recherche jadis sur l'histoire de Monaco et je voulais connaître leur position en temps trouble et sombre que sont les années 40. Vous aurez deviné. C'est comme si c'était tabou. Je me posais la question, comment ils ont agi? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pas d'infos en clair. J'ose pas dire, c'est étrangement occulté cette période de l'histoire de l'humanité pour la principauté, mais j'ai pas eu, dans mes recherches, j'ai pas eu de documents faciles d'accès pour avoir un début de réponse. Je pense qu'il y a des historiens qui ont dû quand même se poser la question et travailler dessus, mais accéder aux résultats de leurs travaux. Excusez-moi. Bon allez, je vais arrêter mes tests parce qu'ils sont concluants. Vous avez vu que je tenais tête au début pendant un petit bout de temps. C'était pas mal. Oh vache. Allez, on va commencer par du Grand Valley. Ah, je pense qu'avec la NSX, là, je peux remporter ce championnat. Si je fais pas trop... Oui, merci, honneur au vôtre. Le coup du tchoum, là. Là, 15 tours... Je dois avoir les gommes dures. Je vérifie rapidement mes réglages. Je dois avoir les gommes dures. Ah non. Ah, j'ai des moyens durs à l'avant. Et j'ai des durs à l'arrière. Donc je pourrais basculer en très dur dur. Très intéressant. Sans déconner. C'est très intéressant, stratégiquement parlant. Je vais garder ma config, parce que là, je m'y suis habitué. Non, café au lait, café au lait. Oui, je sais que vous êtes bien marré. J'en ai parlé tout à l'heure du samedi. Oui. Où finalement, je me faisais pas si honte que ça. Avec le recul, je me suis réécouté. C'est le premier passage que je me suis réécouté, en fait, quand j'en avais l'occasion. Parce que je me disais, là, c'était exceptionnel ce qui s'était passé. Non, ça va. C'est vrai que c'était drôle comme moment, mais non, c'était correct. C'était correct. Pardon. Ah, ça se reproduira pas souvent, hein. Ce genre de... Bon, on va dire de moment de relâchement. Je vous le ferai grand maximum une fréquence d'une fois tous les 6 mois. Mince, là, vous voyez, j'ai mal bu mon café au lait. Ça passe pas, j'ai le hockey maintenant. Bref. Alors, concentration, parce que là, c'est rageant de perdre à ce niveau de compétition, puisque les courses sont longues. Donc, je vais essayer de... Merde, j'aurais pas dû faire ça. J'ai contrebraqué comme il fallait pas. Je vais essayer d'être régulier. Bon, les gommes sont froides, mais là, je regrette mon... Oh là là. Va te placer là-dedans, toi. Aïe, l'autre, il m'a poussé dans l'herbe. Ah, on est trop groupés. Pourvu que ça se détende au tour prochain, c'est le bordel. Sur la piste, là, c'est le gros boxon. Il y a beaucoup trop de trafic. Là, j'ai l'impression qu'on était 24 sur la ligne de départ. Alors qu'on est que 6.
D'ailleurs, pour optimiser ma victoire, vous savez quoi? Je vais consciencieusement sauvegarder ma progression entre chaque tracé. Ce qui fait que si j'ai des réglages à faire, je les ferai en reprenant la course. Vous voyez, je vais trichoter avec un jeu de chargement sauvegarde. Histoire d'être quasiment certain de remporter le championnat. Allez, merde, putain, zigzag le salopard. Voilà, j'ai déboîté proprement comme il fallait. Voilà, ça va, c'est correct, ma boîte de vitesse, c'est correct. En plus que j'ai eu l'aspiration de l'autre, l'étalage des vitesses est plutôt bon. C'est cool. Ça, c'est cool. Alors, deuxième tour sur 15. Il va falloir que je gère l'usure des gommes. C'est là où ça devient très intéressant. Là, je suis à température, je suis optimal. Je ne peux pas avoir meilleure adhérence. Donc, malgré que je fasse le jeu de course, je reste réceptif dans les moments de pause. N'hésitez pas à déposer vos messages dans le chat. Je rappelle que techniquement, je peux remonter celui-ci. Et je prendrai le temps de vous relire entre chaque course. Ne soyez point frustrés. J'ai l'impression que dans mon chat, on avait émis une hypothèse de jeu à programmer et j'ai perdu l'idée, ce qui est dommage. J'avais pas énoncé le week-end dernier un concept qui était valable. Alors, j'ai pas nourri l'intelligence artificielle de Westboat. Ça aussi, ça fait partie des projets perpétuels à nourrir régulièrement. Mais l'idée d'un jeu textuel, là, comme le GT ou le Fish, la pêche, j'ai l'impression qu'il y a une idée qui m'a échappé, que j'ai oublié. De toute façon, j'ai pas eu le temps de réécouter l'intégralité de mes ralentis de la semaine dernière. Merde. Ah, la faute de pilotage. Aïe, 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 aïe. Et peut-être que je reprendrai mon idée dans ce que j'ai pas écouté là du week-end passé. C'est là où le Worms Armageddon va me sauver de FunFan parce que j'aurai moins de temps d'antenne, ce qui fait que je vais pouvoir rattraper mon retard à ce niveau-là. Normalement. Hop, cutter, le cutter, prout. Merde! Oh, c'est la première fois que j'ai l'incident là de collision à l'intérieur du tunnel. Oh la vache! Là, je me suis laissé surprendre. Faudrait que je remate le ralenti là aussi plus tard en semaine. Parce que. D'ailleurs, je sauvegarderai virtuellement le ralenti dans la console. Alors, attends, c'est quoi? C'est quatrième tour, je crois. Ouais, quatrième tour. Il faudrait que j'aille au stand tous les cinq tours, je présume. Ah ouais, c'est l'usure. C'est pour ça que je pars à la faute. Je me laisse surprendre par l'usure des gommes, en fait. Merde. Alors, tout n'est pas perdu parce que c'est le premier tiers de la course. Mais j'ai intérêt à être à la perfection dans les deux derniers tiers. Euh.
Mais ça me met en confiance de savoir que je peux m'appuyer sur des gommes plus résistantes. Ça me laisse un plus large éventail de stratégies sur la ligne de départ et ça c'est cool, c'est réconfortant pour le pilote. De savoir qu'il reste plusieurs cordes à mon arc, comme on dit, à faire valoir pour être vainqueur. Ouais, je gère mal l'usure des gommes, des pneus sur ce bolide. J'ai besoin de prendre davantage mes repères. Non, là j'ai fait de la mouise. Il peut repasser parce que j'ai fait de la mouise. J'étais hors trajectoire. Alors, au prochain tour, il faut que je rentre changer mes gommes parce que là j'ai plus d'adhérence. Je vais essayer de la jouer comme ça. Mais si je vais deux fois au stand, j'ai peur qu'il n'y ait qu'une seule fois, j'ai un freinage beaucoup trop tardif. Non, j'ai pas les repères. Je fais de la merde. Je fais de la mouise. Qu'on se le dise. Aïe. Oh les dégâts des gommes usées. Ouh que ça occasionne des dégâts. Et là je suis en train de me détacher complètement du peloton, je suis mal barré. Bon, bah la bonne stratégie ici, c'est peut-être d'avoir les gommes les plus dures finalement et de faire qu'un seul arrêt, pas deux. On va voir, on va essayer. Alors, je fonce au stand, au puits, comme disent les Québécois. Oh, hello and welcome, Smokey Gonzalez. Alors, hello, good sir, glad to see someone with Gran Turismo 3. I have still have mine for the fat PS2 and slime PS2. Me too, I have PS3 in hard, in real, oops, I forgot the race. I have in real PS3 and PS2, and sometimes I stream all the games on PC and console in English. Enfin, video games device. I'm happy you find my channel and you're welcome, Smokey. And I try to. Merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue. Oh my gosh, I can see the road. Je vois plus la piste. Oups. Oh. It's a funny time.
C'est pas évident quand on diffuse de parler plusieurs langues simultanément. It's hard to speak in some language in live. Oh. Alors, now, of course, I'm concentrating my grace, but you can leave your text in my chat. I can see after. With my software, I can see chat history and read all messages, your message. You're welcome. Don't worry. Voilà, je rappelle en anglais qu'il faut pas se faire de soucis à déposer des messages dans mon chat quand je suis concentré dans la course, puisque j'ai le nécessaire pour remonter tout l'historique. I'm lost, je suis perdu, j'ai trop de retard. Bad choice, stop now. Je vais changer de stratégie. Another strategy. You're a good driver, my friend. I don't know, thank you. Always a pleasure, always. Toujours le plaisir, toujours. Oui, quitter championnat, je vais... Bad choice, mauvais choix. Nice bro, nice, your driving skill is better, that's mine. Thank you, I appreciate the welcome. Alors... Donc je vais changer mes gommes. Je vais prendre des gommes plus dures. I will take some hard tires to be more powerful. Allez, tac tac tac. Changement de pièce. Les T3. Et là, je vais mettre T2. Normalement, les réglages sont bons. Je vais sauvegarder les réglages. I save my setup. Speedway. Enfin, speed. Bababam. Voilà. Je me comprends. Allez, je bois un coup. Go, go, go! Honda NSX, préparé par Arta. Ah, j'ai une seule sœur jumelle d'ailleurs, j'avais pas fait gaffe. Enfin là, je pouvais le voir que maintenant d'ailleurs, puisque j'ai relancé le championnat. Donc en fait, j'ai choisi la bonne bagnole. C'était ça, ou alors je prenais au-dessus, vous savez, les prototypes 24 heures du Mans. J'en ai qu'une d'ailleurs en japonais, c'est la. Mazda 780 ou 767B, je sais plus le nom. La... Ça va peut-être vous parler dans les couleurs. Elle est verte et orange. La Mazda 767B. Bon, là, je me concentre. Wow! Hop, 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 hop. Je mets en stress le pilote devant moi, qui logiquement doit avoir aussi les gommes froides. Ouais, je suis carrément face à ma sœur jumelle, en fait. Sacré défi. Merde!
je commence à déconner. J'en demande trop à la tuture. Oh, dans l'actualité, il y a une nouvelle qui m'a attristé. Il y a nos scientifiques français, là, le CNRS, le Centre National de Recherche Scientifique, ils ont publié un rapport où ils ont refait des calculs par rapport au réchauffement climatique avec une nouvelle méthode d'évaluation. Ils ont émis l'hypothèse de prévision encore plus catastrophique, des phénomènes plus intenses et qui vont se manifester plus rapidement que prévu. Enfin bref, une catastrophe, c'est horrible. Oh là 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 là. En gros, ils faisaient comprendre en conclusion que cet été torride qu'on a eu, ça va être considéré dans le futur comme un été plutôt léger. Donc l'horreur, on va tous finir grillés sans oxygène. Ah là 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 là. Ouh, la compète va être serrée. La compétition va être disputée de bout en bout. Alors, je suis à la manette, j'ai pas précisé pour ce Mookie. I've Joypad, enfin Joypad, Original PS2 Pad. I haven't well now. But in the past, I had this chance, had the pleasure to drive with this device, but not now. C'est plus maintenant que j'ai mon volant pédalier. Alors que je relâche mon attention, puisque je suis en partie concentré à traduire en anglais ce que je veux témoigner à Spooky. À Smokey, pardon. Alors ça c'est la grande qualité du simulateur dans les grandes courses, c'est la gestion d'usure des pneus et vraiment de réadapter tour après tour avec l'usure les distances de freinage. C'est une gymnastique intellectuelle pas évidente, comme vous l'avez vu tout à l'heure où je me faisais avoir dans le grand virage en épingle au bout de la ligne droite. Corriger sa copie systématiquement, c'est éprouvant. Hein. Mentalement, je parle. Pour réussir à jauger le temps de réponse et la réactivité de la tuture par rapport à l'adhérence qu'elle perd au fur et à mesure. À dire au fur et à mesure, je me souviens de l'air de la chanson. Au fur et à mesure, dun 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 dun, je guéris à tes blessures. Au fur et à mesure. Je sais plus qui est l'artiste et quel est le titre de la chanson. Ah ah, peut-être que vous dans le chat vous l'avez. Surtout Fun Fan, qu'on connaît, grand amateur de chansons françaises, enfin des classiques. Que ce soit, enfin, que vous suivez les classiques que la musique pop, je crois, française. Tu les connais quasiment tous. Alors, attention, je freine bien. Vaut mieux que je freine plus tôt que tard. Oh, la vache! Le dérapage, le mec! Waouh, c'était beau! Ce qu'il a fait, là, c'était classe. Il a bien fait fumer ses gommes, mais c'était artistique, là.
Bien joué. Waouh. Oula, if I... I will read this after the race. Wow, the only Grand Prismo, oula. Ok. I need to concentrate. Ah, j'ai les pneus avant déjà qui me lâchent. Oh. Je vais quand même tenter d'aller au stand. Hein. Par deux fois, parce que même avec des gommes plus dures, j'ai quand même l'avant qui décroche trop facilement. C'est chiant. C'est chiant. Ah ouais. Prochain tour, je vais au stand parce que ça va pas. Oh la vache. Je me souviens plus que la barre était si haute, c'était si balèze. C'est tellement plus facile qu'on a la chance d'avoir le volant pédalier, mais à la manette, punaise. La violence, quoi. Merde, l'autre il m'a touché. Aïe 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 aïe. Il m'a harponné. Merde. Ah, pour le rattraper maintenant, comme j'ai fait un tête à queue superbe, c'est pas... C'est pas pour maintenant. Oh merde, j'ai décroché de mon groupe. J'étais dans le groupe de tête, maintenant je suis dans le groupe arrière. Les poursuivants, comme on dit en cyclisme. Ben, je vais peut-être avoir le temps de vous lire le temps des stands. Du moins, Smokey. Heureux, Chris. Heureux. Oh là là, les problèmes d'adhérence. J'ai des gommes fusillées là. Oh là là, elle répond plus de rien. Ouais, je vais être obligé de faire deux arrêts au stand. Alors, non. The only GT I ever play and I have is a GT1, which I love the intro. Both US and Japan version. Also, I just need to collect GT2, 4, 5, 6. I rather play the other GT games. I don't get me wrong, 7 GT Sport are decent, but the other GT series will be my favorite. Me too. Ouais, me too. And I appreciate the special Tokyo-Geneva concept car I have. And in the future, I will show this game on my channel. I don't know... merde, comment on dit quand? Où c'est where? Quand c'est when? I don't know when. je sais plus ce que je dis en anglais. But in the future, I will show Tokyo Geneva concept car here. Mmh,
This championship is really hard. Ce championnat est vraiment dur. Là, j'en bave. Je finis par buter. C'est un niveau de compète où les erreurs sont pas permises. No mistake tolerate. Ah, déjà midi, punaise, le temps passe. Bon appétit pour ceux qui passent à table. À coup sûr, là, je garde mon antenne jusqu'à 13h, parce que comme j'ai démarré ultra tardivement. Oui, j'avais pris mon antenne à 10h30. Mais d'ailleurs, dans la saga Gran Turismo, je crois que c'est le quatrième opus qui a le plus de bolides, je sais plus. Enfin, on va dire le plus de contenu, parce qu'il y a les pistes aussi. I'm thinking in the Gran Turismo saga, Gran Turismo games, I think it's number 4 have most things, enfin, things. More cars and tracks in the game, in the simulator. I will show to this game, Gran Turismo 4 in the future. What's funny, I put my username Smokey because of Smokey Nagata. Whoop. Ah, freinage tardif. Ouais, je mords dans le sable parce que j'avais besoin de quelque chose pour m'aider à freiner. Là. Elle m'apprendra à lire le chat alors que je suis censé être concentré sur la piste. Ils ont pris trop d'avance là. Comment ça se fait que j'ai décroché autant? Je suis plus dans le rythme, ça m'étonne. Mon meilleur tour c'est une 50, mais j'avais l'aspiration des autres bolides donc ça aide. Le dernier une 53 est pas trop mauvais. Oula. Ouh. Encore que, je pense que je pourrais exploiter un petit peu de marge de boîte de vitesse dans les rapports. Il y a moyen de peaufiner les réglages, on va pas se voiler la face. Le championnat là, je serais peut-être contraint de jouer avec un prototype
du Mans, donc la Mazda 767D pour remporter. Parce que même avec un clone, là, une sœur jumelle, je me fais avoir. Mazette. On est proche de la mi-course, là, si ce n'est pas le cas d'ailleurs. Avec mon habillage de chaîne, j'arrive plus à voir les données du simulateur. Je sais plus dans quel tour je suis. Hop, 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 hop. Hein, dos droit. Hic. Au prochain arrêt au stand, je bois un coup et je me redresse. Quoique je suis plutôt bien calé. Je sais pas comment on peut dire dos droit en anglais. I don't know I can speak dos droit, translate dos droit in English. Straight back. Wow. Ouais, non, c'est vrai que j'ai quand même la boîte de vitesse au taquet à ce moment-là, c'est trop bizarre. Et c'est dans ce tour-là que je dois rentrer au stand, puisque je vois que c'est le 10e tour sur 15. Et j'ai pas du tout rattrapé mon groupe. D'ailleurs, eux, ils sont... Et attends, ils sont pas allés au stand? Que signifie? Comment ça se fait qu'ils arrivent à être aussi bons avec des gommes usées, eux? Oh! J'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre dans la... Ah, c'est là où on va avoir un encombrement dans les stands. Tout le monde va y aller dans le même tour, ça va être une catastrophe. Pa, 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 la, pa, 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 pa. Merde, j'ai freiné trop tard. J'ai freiné trop tard. J'ai abusé de la bagnole. Ah. Cette reprise. Ah. Il y en a un au puits. Je vais y aller aussi. Oh la vache, ils y vont qu'une seule fois, moi j'y vais deux fois chercher l'erreur. Ça fait mal. Alors je suis bien assis, hein, je vois pas comment je peux faire mieux. Bon app à FunFan et sa purée. Oui, Smokey Nagata is one of my favorite cartoners. Ah ok, a cartoner. Nice. I'm more into Japanese car. How about Japanese car? Oh yeah. Do. About. Oh, oh là là là. Il faut que je lis. Ah, my favorite car in real life. I haven't, but. It's my favorite. It's Toyota Celica in GT4 version. When this car is gray color, I like it. Je rappelle que ma voiture favorite en vrai est la Toyota. Celica version GT4, c'est-à-dire la version 4 roues motrices, que je vous avais d'ailleurs fièrement exhibé, bah, pas plus tard que le week-end dernier d'ailleurs je crois. Alors, on n'avait pas fait un tour de roue avec, mais je vous l'avais montré dans mon garage. J'en ai le souvenir. Oh.
J'ai des voisins qui font du boucan dehors. Je sais pas ce qu'ils font, mais... Du coup, ça me perturbe. Merde. Ah. Avec les gommes froides, j'ai trop mordu. Je trouve que je suis mauvais. I'm bad, I think. Sniff. Ah. No, 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 no. Ah bah tiens, il y a ma sœur jumelle qui va dans les stands. Mais sauf qu'elle a... Elle a un demi-tracé d'avance sur moi, donc c'est une catastrophe. Oh, ils vont seulement maintenant au stand, mais comment ils font? Attends, c'est pas possible. C'est truqué, moi je dis. C'est truqué. I'm bad, sniff. Je suis mauvais. In the middle of the night. Da, 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 da. The reason of the race, oui. Le rythme de la course. Voilà, les chronos sont pas réguliers, ça craint du boudin. Ça craint du boudin. Je suis pas dans le coup, c'est l'œuf et la poule. Voilà. Du bruit dehors, ils sont agités. J'ai toujours peur qu'il y ait un incident. Oh! Extérieur, c'est la catastrophe. Je me suis laissé piéger. Normalement, je crois que je suis dans mon 13e tour sur 15. On arrive à la fin de la course là, et il y en a 10 des comme ça. Ah ouais, le championnat, il est. Ouh. En fait, il faut une journée de jeu complète pour faire le championnat. Je me souviens pas que les derniers étaient si longs. Mais c'est bien, c'est agréable, hein, moi j'apprécie. Mais mazette. D'ailleurs, pour parler un petit peu, je vais faire français-anglais sur les fidèles d'entre vous qui me suivez depuis le début. Je vous avais déjà raconté l'histoire de la famille Toyota. En fait, la famille originale, c'est pas Toyota, c'est Toyoda. Ils avaient changé le nom par rapport à des croyances de malédiction au Japon. C'était pour porter chance, en fait, qu'ils ont changé Toyoda en Toyota. Et, de toute façon, en volume, c'est le...
c'est le constructeur mondial qui vend le plus de voitures dans le monde. Ce sont les plus productifs. I try to translate, I'm thinking. The name Toyota is not the first name. The family name, original family name was Toyoda. But Toyoda was not wrong, but a bad. I don't know. Tell the true the story. Oh, ils font vraiment du bruit dehors. Je vous avais dû entendre un truc claquer. J'ai l'impression que c'est la porte d'entrée de la voisine là qui vient de Japan. C'est pas possible. Il y a des manips avec un. Il y a un camion de chantier ou je sais pas quoi là, c'est pas possible. C'est bizarre d'entendre le bruit. Voilà, normalement j'entre dans le dernier tour de course et je vais être malencontreusement bon dernier. Ah oh, oh, oh. The same mistake, la même erreur, no. Aïe aïe aïe. Oh là là, dur. Ah, comme c'est la première course du championnat, tant pis. Je vais pas vous imposer la même course pour cette session de jeu. Je vais essayer une autre course, un autre championnat. Est-ce que c'est pas. Je vais peut-être essayer de, vous savez, dans la division inférieure. Je vais essayer de me déverrouiller une autre bagnole, ce sera plus marrant. Parce que ça, il faudrait que je vous le diffuse en étant quasiment certain de gagner. Là, pour le coup, c'est captivant, plus passionnant à voir à l'écran. Alors que là, il faut bien l'avouer, j'ai pas le niveau. Je suis navré, mais je joue pas assez à Gran Turismo pour être dans le rythme. Aïe 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 aïe. Je suis triste, I am sad. Ouais. Oh, oh, oh. Ah, j'ai une 10 de retard, c'est. Oh. Aïe 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 aïe. Ah, la honte. La honte, la honte. Oh, pas cool. Alors, que je vous lise. Oui, je démarre plus tôt d'habitude, Chris. Oui. Oui, merde, t'es parti manger, bon app. Oui. Mais j'avais expliqué que j'ai eu que des pépins techniques ce matin, c'était pas cool. Et du coup, j'en ai profité pour faire des trucs hors informatique par la même occasion. I'm more in Japanese car. How about you, my friend? What kind of car are into? I will show you my garage, my stand. Je peux toujours sauvegarder la course, ça fera une archive. Oui, déjà, je peux sauvegarder ma progression. Nice Tascar is boaty, not a lot of PPL here in USA, I appreciate Slack, but I do.
if I remember correctly, Smoky Nagata was working at Toyota at the age of 16. He even tried to tune his Celica. Nice. Nice, nice, nice. Je vais sauvegarder mon ralenti quand même sur le côté. The memory card number 2 for replace. And setup in number 1. Ding, ding. LSDN. From there he joined another tuning company after that he made his own company, which is now as Top Secret. Oh, I don't know this. Very interesting. Thank you for this information. The guy even got arrested in London. Whoa! He always does burnouts first. And dry off, that's why he got the name Smoky. Wow. Okay, d'accord. Ah, il faudra que je m'intéresse sur le Smoky Nagata. I don't know. Ok, je connais pas. Il faut que je mènerai mes investigations I will make my investigation on Smoky Nagata probably next week, but very interesting. Thank you, Smoky Gonzalez. Oui, my stand, my collection of cars in this simulator. Mon beau garage, je peux exhiber rapidement, tac. Voilà, you can see, tac, 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 I show you, quickly, boom, 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 boom. Tac, 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 ouais, j'y vais plutôt comme ça avec des petites pauses. It's better, c'est mieux. Tac, 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 tac. Voilà, tac. Hop là. Ah, il y a des beaux modèles. Hein. Voilà. Dans les stats... attends. Dans les stats... Voilà, les statistiques. Correct. No way, you have way more cards than me. Oh, try another time. Je sais pas comment on dit persévérer in English, en anglais. I only have the Mista Japanese version in Jerusalem. Miata, oui, parce que Mista, ouais, ok. Wait. Another championship more easy. Un championnat plus facile. Pourquoi pas refaire celui-là? Pourquoi pas? Celui-là aussi, j'avais pas tout. Ah, celui-là, nice! J'avais tout en or. Gold, gold, gold. Type R. Honda. Oui, mais... Attends. Non, j'ai pas la bonne. Hein. Oui, j'allais dire, j'ai pas la bonne. The wrong car. Why not? Tic 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 tic. Hein, il y a pas Monaco, il y a pas Monte Carlo. Wow, even the credit is a lot. Yes,
Alors, not every Saturday I play, but comment on dit régulièrement? Nowadays I'm playing this game every month. After not really 2 years, I began my new career. Day after day, you have more credits and cards, of course. Même lorsque tu perds, when you lose two, you have award. Tiny award, but you have some credits. Race after race, course après course, comme on dit, on engrange quand même des sous-sous, même si on perd, comme on dit, les ruisseaux font les grandes rivières. C'est un peu l'idée là. I want to read in same time I'm driving, but it's not a good idea. c'est pas le bon plan d'essayer de lire en même temps que piloter. Oh, j'arrive trop vite. Ah, tous, too fast. With cold tire, not good idea. I used to know. Oh, thank. Merci, Nainonet. Avoir l'habitude. I used to know. Ok. I used to know play Gran Turismo 4 every month, Saturday morning in France. No. Concentration. Ah, I'm a stupid driver. Je fais l'idiot. Surtout que là, je suis censé gagner au la main. Enfin, au la main. Je suis censé. Je suis censé être en tête de course. Et là, je fais l'imbécile. Nice. I will read you after. Wow. I was afraid. Je me suis fait peur avec ce freinage. Mais qu'est-ce que j'entends? Ah, alors, ce qui est perturbant, c'est que j'ai mes écouteurs avec mon micro hypersensible. Ça me donne une perception biaisée de la réalité d'un point de vue sonore. Donc, ça ne fait que pas m'angoisser, c'est exagéré. Mais ça me rend nerveux. J'ai un retour son de la réalité de manière un peu étouffée. Un peu comme si j'étais un sous-marinier et que j'essayais de capter les sons, enfin bref, c'est pas cool. Et là, j'ai entendu quelque chose de bizarre. Ça va pas du tout dans le sens de me rassurer. Il y a la musique aussi parfois qui a des envolées lyriques. Wow.
The victory's from me! Youhoo! Ouch. Oula, c'est viril là, pour la victoire. Wait! Oh oui! Oh yeah! Ah! Et c'est maintenant le dernier tour. It's now the last lap. Ouch. Ouch, ouch, ouch. Just for my curiosity, Smokey, I understand you are American, but where did you come from? Just the state. I'm curious if you want, of course, answer me, but la dernière fois que j'ai eu un copain de jeu en ligne américain, c'était sur Scorched 3D, et il était texan. The last time I have a good friend online to play, it was on the Scorched 3D games, and he was Texan. Hydrater le sage, yes, I'm drinking my coffee lake. Coffee milk, sorry. Alors, coffee with not cow milk, but goat milk. It's better for me. I've more taste. J'ai toujours trouvé que le lait de chèvre avait plus de goût dans le café que le lait de vache. What? Wow, attendez, faut que je relise. I definitely come back to watch more of your stream, my friend. Whenever you're on, I'm glad I meet someone who still play other Gran Turismo. Thank you. I'm happy to read it. You're welcome. Yeah, it's understandable, my friend, to play and read comments at the same time. Yeah. you can do, you got this. Yes, I win. Ouf. Alors, Olive, je vous oublie pas quand même, camarade français. C'est un morceau de... Ah! Perdu pour la pêche, heureux, Olive. I'm from the USA, okay. Yes, I understood this. Good. Allez, next race, but I save the replay and the career. Je sauvegarde ma progression et mon ralenti. Hic. On va voir en fonction de la lorge qui tourne si je vous fais les 6 autres courses avant de rendre l'antenne. Peut-être, parce que là, du coup, j'ai pas trop faim dans l'immédiat. Je vais être encore décalé. Et pas bien. Et voilà. J'ai rien d'autre à déclarer. À vrai dire, je sais pas ce que je vais me mettre sous la dent ce midi. Faut que je gère mes denrées périssables, moi. J'ai 2 choix qui s'offrent à moi. Ouais. Je me demande si je vais pas me faire un peu de poisson ce midi. Ça me ferait du bien. Bro, I love watching the replays. Ah, after I finish a race. Why not? What? Exceptionnellement, alors je vais peut-être pas faire le championnat devant vous complet, où on en parlera peut-être cet après-midi si j'ai toujours mon souci avec Steam. Mais after this save, I play the previous replay. Okay, Smokey. Now and
Nous pouvons échanger et bavarder. We can speak now. Et c'est une pause pour moi, c'est vrai. It's a time break for me. En tout cas, merci à vous d'être là. L'essentiel, c'est d'avoir le plaisir partagé de passer des bons moments ensemble. Je vais revoir mon... J'insiste, hein. Je vais revoir ma messagerie si j'ai reçu un code ou pas, non ? J'ai pas de code. J'ai reçu d'autres mails entre-temps, mais... Bah d'ailleurs, je vois le coup du... Voilà comme quoi Smokey me suit sur ma chaîne, j'ai l'alerte de Twitch. Mais alors, pour ce qui est de mon Steam aujourd'hui, c'est bizarre. It's that NSX. Oui, Honda NSX, mais Arta version. It's the powerfulest version of this car for Le Mans. You were using. Yes. Arta NSX, en fait. Le si tu veux, c'est. Attends. Tac. C'est Le Mans série, je crois. Normalement, c'est ça. Vas-y voir que j'anticipe le côté dépannage de mon pépin et je vais mettre le SteamGuard sur ma tablette maintenant. Je vais commencer les étapes en étant avec vous. Parce que ça me chagrine vraiment ce pépin-là. Il faut que j'aille là-dedans. Les applications. Ok. Donc... Je suis pas sûr. Non, j'ai pas démarré le. Je crois pas que ce soit ça la bonne application. C'est plutôt ça, je crois. Aïe aïe aïe. Wow. Ouais, c'est vrai que à mon avantage, il faudrait que je laisse les ralentis plus souvent, comme le fait remarquer Smokey. Moi, ça me permet aussi de me relâcher la pression et de pas trop m'épuiser. Nice, thank you for the info. Now I'm going to watch some video on YouTube later on. Ok, oui, you're welcome. Ouais. Good choice. Essayer le machin, je n'ai rien à péter. Moi, ce que je veux, c'est le SteamGuard dont me parlait Neinone et je l'en remercie. Alors, Steam, d'accord, mais le SteamGuard, comment je fais pour avoir le. Alors, il me propose carrément d'installer Steam ou juste le chat de Steam en clavardage, mais il me propose pas le Steam Guard dans ma tablette. Donc, je suis bien embêté. Avec SteamGuard, pas besoin d'entrer un code ou un mot de passe tout le temps à chaque collision pour favoriser, c'est bon. Bah, j'aimerais avoir le système qui me propose, c'est-à-dire que je scanne mon QR code sur l'écran et puis basta, quoi, je me connecte. Now they change it on Super GT, it's like Motorsport Racing. Ah, ok. I know Japanese Touring Championship. Yeah, yes, I like to see sometimes. Yeah, yes.
J'aime bien de toute façon tout ce qui est Gran Turismo, all Gran Turismo in Simulator and Will you can see on YouTube. I like to see this. J'aime regarder ça. Oui, c'est l'appli Steam pour tablette. Steam Guard est intégré à l'application. Ah donc en fait, il faut que j'installe Steam, carrément Steam sur ma tablette. C'est ça que tu es en train de me dire, Nainonet. La Subaru WRX GT300... Going good right now. Ouais. Ouais, Subaru WRX, oui, tu m'étonnes. Oui, it's a good car. Bon bah ok, Nainonet, je vais installer Steam sur ma tablette. Oh merde! Oh, c'est... Attends, oui, parce que s'il fait appel à une autre boîte mail, j'y aurai pas accès. Mais qui est propre à ma tablette et je m'en sers aussi pour bosser. Donc, si je croise les flux entre le professionnel et le loisir, ça va pas le faire. Enfin, pour le moment, là, il m'autorise à installer Steam, déjà. Oh la vache, il l'a mis en vertical. Oh. Wow, c'est un cauchemar. It's a nightmare for me. Alors, attendez, je vais essayer de me connecter comme ça. Le mot de passe à la tablette, ça va être long. Oui, j'ai eu un doute. Parce que je suis tellement habitué à la géographie du clavier de manière mémorisation que je sais même plus en soi véritablement quelle est la touche saisie. Merde, alors j'ai merdé ma saisie. Et je peux pas voir en clair mon bazar. Attendez, je vous oublie pas dans le chat. Tac, tac, tac. Do they have the Pennzoil Skyline in the GT3? Wait, attends, on va vérifier ça. Bonne question, attendez. Je sauvegarde deux fois le truc et on va regarder. Attendez. Attendez. Je crois. I believe there is a Pennzoil Skyline in GT3. Wait. Attends, va regarder. C'est pas idiot du tout comme question. You're lurking. Ok, thank you. I see you next time. You're welcome. Alors je vais recharger ma partie évidemment pour faire la deuxième course derrière juste après, mais Pennzoil Skyline, c'est Nissan. Attends, je crois qu'elle est jaune. Hein. C'est pas. Eh ben, here, this car, ouais. Pennzoil Nismo GTR, yes. Elle est dedans. Ouais. This car. Good. Ouais, la LM, je l'ai. Ah, celle-là, je l'ai pas. J'aimerais bien l'avoir. Mais ouais. Alors, non, je veux... je me plante. Je veux revenir en arrière. Je veux rembobiner. Erdom, il faut que je recharge mon tac pour re-rentrer dans... Ouais, Isaidu, ouais. Tac. Et là, je vais re-rentrer dans le championnat, normalement. Normalement. J'espère.
Oui, il me dit, voilà, on vous a envoyé un message par mail. Attendez, suivant. Non, j'ai rien. Hein. Nainonet, j'ai rien. Je viens de faire exactement la même manip sur ma tablette. Il me dit qu'il m'a envoyé un code à saisir depuis mon adresse mail, mais il se passe rien. Non, mais il y a un bug sur leur serveur. Ils sont peut-être en panne aujourd'hui. J'espère qu'ils vont résoudre d'ici les 24 heures. Je peux pas me connecter à mon compte Steam. Je comprends pas. I have a question, my friend. What? I love Tatska a lot, even the R33 LM is sick. Okay. Are you streaming GT3 on PC or do you use some kind of device? I play on the real PS2, but I've a video capture, multimedia capture device, and I use a Grabby USB from TerraTech. Wait, I'm writing. Alors, capture device. Merde, c'est-à-dire la PS2 vers hop, le PC. Grabby USB. C'est du... Voilà, TerraTech. Hop là! C'est le bon mail. Chez moi, ça marche. Bah, j'ai pas changé de mail de la semaine. Oui, c'est ça que je comprends pas. J'ai pas changé de mail. Hein. Donc, ça marchait le week-end dernier. Et là, ce week-end, ça marche pas. Donc, gros mystère, quoi. Allez, je vais faire la course là. Oh yes, I have heard of that. I need buy those things on my canstream GT. Ah oui, free on your Twitch. J'ai toujours pas publié mes documents pour vous expliquer ma coulisse. Je le ferai, je sais pas quand. Le pire, c'est que j'ai rouvert le document il y a pas 15 jours où j'ai continué à compléter mes explications photo à l'appui de comment j'ai fait mes réglages. Alors, j'ai fait en version française, mais... Ah, bougeons du Languedoc, bien Olive. Alors que j'ai pas regardé ma route, c'est bien fait pour ma tronche. Non, le plus dur, en fait, pour diffuser la PlayStation 2, c'est de trouver le câble. The more difficult, the hardest step when you streaming your PlayStation 2, it's find a special link from the back of your PS2. You have Sony constructeur là, special link, and my data go out from yellow link for video RCE, I think the name of the link. J'essaye de traduire hein, techniquement mon histoire de fil jaune pour la vidéo et blanche et rouge pour le son à notre ami américain. The yellow link for the video and white and red for the sound. I connect to my Grabby USB. And USB it's compatible for my PC. Voilà.
Well, you're welcome, and... oups. J'ai oublié de freiner. Je fais n'importe quoi. C'est pas bien. Oh mon dieu. Aïe, aïe, aïe. Oh, je vais bêtement la... Je vais perdre bêtement la course, parce que... Je me laisse distraire. Oh. Attends, est-ce que je peux rattraper mon énorme retard et mes âneries dans les derniers tours? On est déjà à la mi-course, ouais, ça va être le troisième tour sur les cinq. Ah, si je fais pas trop l'idiot. Oups, je mords. Je mords un peu. Concentration. Alors que j'entends même plus ma musique en arrière-plan. Le type doit être trop léger. Petit volume. Ah, too late, trop tard. Mauvais freinage. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Oh, c'est la violence. Alors ça, pour être agressif, je le suis là. Ça fait peur. Est-ce que je peux le dépasser, lui? Si je loupe pas mon freinage, mais que je merde ma reprise, ça va pas le faire. Ah, je me souvenais pas cette phrase de d'Albert Einstein. L'imagination est plus importante que le savoir. Tiens, c'est marrant. Je me souvenais pas qu'on lui avait attribué cette citation. Faire une sortie de piste dans l'histoire. Ça peut, c'est de la techno, ça doit être technique 4, alors que je fais n'importe quoi dans la chicane. Oup. Oh la vache, comment je vais fermer la porte. J'étais vilain. Oh, j'étais vilaine, comme dirait une scène. Ah bah. S'ils vont au stand et que je peux reprendre aisément le contrôle de la course, ça me va. Oh, j'ai de la chance. I'm lucky. On voit que c'est la division inférieure, hein. C'est plus facile là. Je fais des erreurs, je me promène. Je fais mon foufou. Oh merde, j'en ai trop demandé à ma tuture là. Mauvais virage. Alors, j'aurai 3 secondes d'avance, pourvu que ça dure. Comme on aurait pu le dire, de regretter de la fesse. Oh, de la bonne tech. Oups, ouh, je mords un peu trop. L'agressivité a ses limites sur la piste, hein. Il ne faut pas que je sois hors jeu là. Là, il y aurait les commissaires de course à la Toka. Je vous avais fait le comparatif des différents simulateurs. Toka, trop morte, j'aurais été sanctionné. Ils m'auraient dit passer au stand, pénalité de 10 secondes, pour avoir trop mordu et ne pas avoir respecté le tracé du circuit. Bon, là, c'était correct. Là, c'était correct. Ça m'est déjà arrivé ce problème, je consultais pas le bon mail et des fois je me bourrais de compte. Oui, mais
Alors, j'insiste lourdement, Nainonette. Ah, je sais pas si tu peux être plusieurs courriels différents et plusieurs comptes Steam, mais j'ai qu'un seul mail rattaché à mon compte Steam. Et là, j'ai bien le mail. Si tu veux, je ressors le mail du week-end dernier où il disait le code de week-end dernier. C'est la même adresse mail, puisque j'ai reconsulté ce code périmé du week-end dernier tout à l'heure. Donc je vois pas pourquoi j'ai pas mon nouveau code après X tentative aujourd'hui. C'est vraiment bizarre. J'espère que mon compte est pas buggé avec leur nouvelle version à la noix là. Non mais c'est inquiétant. Là, parti comme je suis, je peux pas me connecter à ma bibliothèque pour le moment, donc j'espère que le problème est que passager. Merci Twinsen pour avoir précisé le cap, j'avais pas vu coucou du parking de course. Oui, bonne course à toi. Merci pour le RCA câble. Merci. Alors, my friend, tant que je lise un peu Smokey Gonzalez. My friend, remember, Taz Spence Oscarly, you showed me. In the GT7, they're asking like 1 million credits for that car. I'm trying to get more credit, but it's hard to... Oh, Récif, bonjour et merci pour le relais de chaîne. J'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps que je t'ai pas fait un petit coucou. Oh, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je vais laisser passer la journée, Nainonette, pour mon problème technique, même si je vais essayer de me renseigner entre midi et deux. Et si je suis dans la mouise que demain matin, j'ai pas la main sur mon compte, effectivement, je leur écrirai, quoi. Mais j'espère que ça va pas mettre en péril les vers de guerre. Décidément la poisse. Enfin, parlons pas de ma malheur, on n'y est pas encore, mais... Ouais, ça va, et toi et vous? Ouais, bah c'est bien que ça aille bien, Récif. Merci à toi pour le relais de chaîne, bienvenue à tes spectateurs. Là, je parle un peu américain, parce qu'on a un américain qui est fan de Gran Turismo, avec qui j'échange ce matin. Donc j'essaye de faire dans les deux langues, ce qui n'est pas évident. Mais ça va bien, merci, merci. À part que, voilà, j'ai un souci technique. C'est un relais de chaîne. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. J'ai un souci technique avec Steam. J'arrive pas à me connecter à mon compte depuis ce matin. Il me renvoie pas le code sur mon adresse mail habituelle. Et là, je comprends pas. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, Récif, encore merci pour ce relais de chaîne. Il y a mon modérateur FunFan, bon là il est en train de déjeuner, quoique non, il dit re, donc il est de retour. FunFan qui apprécie beaucoup ton émoticône Chuck Norris. On en avait parlé le dimanche dernier. Alors, pour les vers de guerre, tu possèdes une licence, donc c'est une très bonne excuse pour utiliser un OCD en toute légalité. Au pire, oui, je ferais ça. Au pire, je ferais ça, une Nainonette pour demain et pas sacrifier la partie prévue. Ok. Ok. Wouh ! Je bois un coup et puis on fait la course suivante. Le choc qualitatif, ouais. Ouais, merci d'avoir mis l'émoticône. Ah, FunFan, il est... Il adore. Il adore Chuck Norris. Allez, next race, go. Go. Oh, je sais pas si je sauvegarde. Ouais, je vais peut-être pas sauvegarder le ralenti là, parce qu'il était pas très propre. Next race. I see you soon, my friend. Later on, I'm 4 a.m. here in USA. Oula. Wow. I need to get some sleep, but I see you soon again. You're ready. Oh, you know, if you... Thank you, but if you can see me in live, you can see my replays on my YouTube channel. All Twitch stream are saved on my YouTube channel. You're welcome. Thank you.
Have a good night, Smokey Gonzalez. Thank you. Comment on dit en anglais? Sweet dreams. next race in Japan, I think. La prochaine course est au Japon. Yeah. C'est ça, là. C'est ça, Récif. On sait plus avec le décalage horaire. Nous. Et s'ils font la grimace pour le no-CD, tu leur fais un... Nay, nay, nay. Definitely take a look again, my friend, and thank you. You're welcome, you're welcome. Very happy to know you. Oups. Waouh, j'ai failli avoir une collision. Alors, attendez, j'essaie de faire quelque chose de pas trop dégueu. Surtout que le tracé là, je l'apprécie. Je vais pas avoir la prétention de dire je le maîtrise, mais je l'apprécie. Comme les trois quarts des tracés d'ailleurs, dans le plus. Ah, j'ai les pneus froids et du coup j'ai merdé ma sortie de virage. La voiture a pas du tout adhéré à la courbe. Donc reste 4 tours. J'arrive trop vite. N'importe quoi. Oh, je fais les auto-tamponneuses, c'est pas bien. Alors que je pourrais faire quelque chose de très propre. Non, là, c'est les pneus froids qui me portent préjudice. J'arrive pas à m'adapter. Je t'ai même pas demandé, Récif, excuse-moi si t'as encore le clavier sous les doigts. Tu diffusais quoi, pardon? J'ai même pas eu ni la politesse ni la curiosité de te poser la question. Parce que moi, je reste marqué sur le fait que tu m'as fait découvrir le fameux... Cyberpunk avec Keanu Reeves. Faudrait que je refasse taper tout à l'heure avec grand plaisir, Récif. La petite commande qui va me permettre d'afficher ta présentation de chaîne Twitch. Ah, c'est quand même une belle expérience à ce niveau-là de Twitch, d'avoir des spectateurs du bout du monde qui sont fans d'un opus particulier qui est rarement joué. Ça, c'est les côtés fort plaisants de l'expérience Twitch. Je suis ravi d'avoir eu Smokey Gonzalez qui se soit manifesté sur le canal. J'étais beaucoup trop brouillon dans ce freinage. Je me suis laissé happer par l'aspiration du concurrent en face de moi. Non, j'ai voulu le dépasser, mais très mauvaise idée. Je m'y suis mal pris. Et là, j'ai plus d'excuses parce que j'ai les gommes à température. Le salopard, il m'a fermé la porte. J'ai les gommes à température, donc là, normalement, je devrais pouvoir batailler sec. Ah, il y a déjà une bagnole qui va au stand. Ok. Ah, oui, on voit que j'ai pas optimisé, là. J'ai le moteur à fond. Oh, le pauvre, je l'emboutis. Pas bien.
Pas joli ce que je vais me faire. On voit que j'ai largement de quoi étaler ma boîte de vitesse encore, les rapports à régler. Si je devais me la jouer pro. Oups. Que je suis brouillon. C'est marrant le virage là avec la ville en arrière-plan et encore plus loin le soleil. On ne sait pas si c'est le crépuscule ou si c'est l'aube. Mais ça me fait penser, vous savez, au dernier niveau dans. Ou l'avant-dernier niveau dans les rues de rage, là, Suit of Rage. Premier du nom. Je trouve que c'est l'ambiance, on pourrait croire que c'est le jeu en 3D. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas, il y a un équivalent 3D, un peu façon Tekken, pour un Street of Rage dans le même genre, ce qu'on appelle les Beans and All, c'est-à-dire les patatés, les pouces. N'importe quoi, moi. Oh, je pars en dérapage en tapant. C'est la première fois que je fais ça, je crois. Fighting Force. Fighting Force, très agréable. Alors le 1, parce qu'il y en a eu un deuxième, le deuxième j'y ai jamais joué, parce que j'avais lu la description du jeu et c'était cucu la praline. Ils avaient surfé sur le succès du premier, mais ils avaient sorti, oserais-je dire, une bouse. J'y ai pas joué, donc je peux pas me permettre de dire ça, mais ça sent mauvais dans le descriptif du jeu. Mais le 1, j'ai déjà eu l'occasion de le faire 2-3 fois en entier, il est vachement bien. Il est vachement bien, c'est dommage qu'ils aient pas continué à faire une saga correcte comme les Suit of Rage, parce que ça en avait très honnêtement le potentiel. En défouloir, c'est extra, en plus il y avait des trucs très logiques dans ce jeu. Je sais plus si je suis dans mon dernier tour ou pas. Je fais même plus attention, j'enchaîne les tours sans réfléchir. Oh, j'ai 15 secondes d'avance, si seulement ça pouvait être comme ça tout le temps. Le rêve. Ah, c'est bon. Yeah. Thank you, take care. Ouais, you too, thank you, take care. Take care yourself. J'étais sur Overwatch 2, tout en détente. T'as bien raison. T'as bien raison, surtout que je devine qu'en ce moment, t'as besoin de te détendre davantage par rapport à ta vie. Beaucoup plus rythmé puisque tu as ton nouveau boulot depuis quelques mois et encore bravo à toi. Cyberpunk, je me le referai un jour, mais là je vais découvrir Sea of Thieves avec un ami. Ah, c'est sympa. Alors il faut espérer que tu aies une bonne expérience en ligne, généralement ça se passe bien. Sea of Thieves, il est à plusieurs, il est très drôle. Il est bien rythmé, il est bien mouvementé. Oui, merci pour le GG. Oh, ça va là, honnêtement, je me promène. Mais j'étais plus en galère tout à l'heure avant ton relais de chaîne, puisque j'étais la division au-dessus et j'étais pas bon. J'avais pas les bons réglages et la dernière division des grands professionnels, t'as pas le droit à l'erreur. Or, j'en commettais. J'en commettais surtout que j'essayais de traduire en même temps l'ami américain, donc mon cerveau, là, il n'arrivait pas à suivre. Donc oui, boulot et études, ça fatigue. Alors si en plus tu fais... tu étudies des trucs à côté ou que tu fais une formation en parallèle, bon courage à toi. Alors, hop, là pour le coup je vous zappe le ralenti, que je vais me sauvegarder quand même. Bah, je respectais le principe de voir le ralenti avec Smokey, mais comme il allait se coucher, j'accélère les choses. Pop, 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 pom. Voilà. Je veux sauvegarder mon ralenti. Ah, je fais peut-être la course suivante et je rendrai l'antenne pour déjeuner parce que faut que je me force à manger aux bonnes heures. Là, je vais pas me décaler à mort. Si je passe à table à 14h, ça va pas être cool. Comme je vais manger froid là, pour rien vous cacher, je vais faire simple, je vais me faire des tosses de poisson puisque j'ai une planche de poisson fumé qui est ouverte. Autant que je la finisse avant qu'elle périme.
Donc je fais encore une course là et puis je rendrai l'antenne à je sais pas qui. Sauvegarder, je crois que j'ai pas sauvegardé. On sait jamais, pour peu qu'il y ait un crash de la console. Généralement, il n'y en a pas, mais bon. On va jouer la sûreté. Oui, suivant, go. Oui, course. Ah, bah, c'est l'avant-dernière. Non, je sais plus. Je suis embarqué dans 5 ou 7 courses. Non, 7 courses. Non, non. Bah, peut-être que je vous ferai la suite tout à l'heure de Gran Turismo si j'arrive pas à reprendre la main sur mon. Ma ludothèque Steam. J'aime pas. Ah oui, Apricot Hill. Ok. Ouais, Apricot Hill, ça va. Si je fais pas l'idiot, je me promène. Puis on voit que le tracé est pas trop technique. Il y a la petite chicane qui peut être balèze à gérer, mais bon. Oh, oh merde, il me rattrape. Ouais, je suis sorti trop mollement du virage. Merde. Oh non, je me suis fait avoir par les gommes froides, elle est partie en tête à queue. Oh là là. Bah voyez, une course que je sentais plutôt facile à gagner, bah. Je suis en train de réviser mon jugement là, j'ai du fil à retordre, voilà, je suis hors trajectoire, bravo. Tout ce qu'il faut pas faire. Merde. Puis là, ils prennent de l'avance là. Là, je suis en train de me faire entuber. Oh. Tu es une scène. Ah. Mais c'est la véritable expression. C'est-à-dire partir au moins à 180 degrés avec le bolide bien malgré soi, si ce n'est plus. Hop, hop, le demi-tour forcé par l'inertie et les forces emmagasinées en jeu dans la carlingue que tu essaies de maîtriser sur la piste. On ne peut déjouer les lois de la physique. Merde, j'arrive trop vite. C'est pour ça que je sors tardivement du virage. Je devrais freiner davantage en entrée de virage pour mieux sortir avec un max de motricité. Bien fait pour ma tronche. Là, je me retrouve à l'intérieur. Ok. Cool. Toutes les erreurs à pas faire. Présentation du parfait contre-exemple. Le soupir d'exaspération. Là, je présume que vous êtes plus sorti de table, que c'était Récif qui va s'y mettre. D'ailleurs, bon appétit à toi, Récif. Oh, je meurs trop. Un peu trop coupé pour. Merde.
J'étais en train de me mettre de traviole avec la piqûre. La trajectoire était pas bonne, elle pointait son museau pas là où il fallait. Alors attends, là j'arrive pas trop vite, mais je sors plus rapidement du virage. Voilà. Quatrième tour, oui c'est ça, 4 de 5, on y croit. Là aussi on voit que j'exploite pas toute ma bande passante, j'allais dire. Ma boîte de vitesse, puisqu'elle sature en bout de ligne droite. Au pire, j'aurai encore de la marge à négocier. Ouais, ils ont les gommes usées comparé à moi qui ai des bonnes gommes maintenant. Je suis avantagé. La 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 la. Merdoum, faut pas que j'oublie de tourner alors que je suis en collision avec l'autre. Hop, 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 hop. Je mords un peu trop là, c'est limite mon dépassement. Voilà, c'est bien, il me rentre dedans, j'ai merdé mon freinage. Allez, mettez-vous-y à deux. C'est la fête, on va entrer dans le dernier tour, ça va être le foutoir. Ça va être la guerre. Ah, inspiration, rends-moi ma seconde place. Ah. Je suis hors trajectoire, voilà qui est mieux. Oh. Cette musique, j'aime bien. Ça fait très bonne d'arcade l'ambiance. Ça me rappelle mon adolescence à la foire avec les bandes d'arcade et la musique un peu discothèque. Très sympa. Et j'ai freiné un peu trop tôt, une fois n'est pas coutume. Je pense que lui, je vais lui coller au basque jusqu'à la fin et si je loupe pas la dernière chicane. Je déboîte bien et je gagne. Ah, merde, il a freiné plus tôt que je ne pensais. Du coup, collision. Oh! Oh, po, 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 po. Oh, 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 oh. Wow, ce final. Le ralenti va être beau. Le ralenti va être beau. Je suis content d'avoir... Oui, bon retrait à toi, oui, bonne app. Merci, Récif. Bonne journée à toi, bon week-end. Et encore merci pour le relais de chaîne, ça fait très plaisir. Rien que le fait que tu m'aies donné tes nouvelles, j'en suis ravi. Merci à toi. Ouh. Bon, allez, il va falloir que je miaume. Donc... Est-ce qu'on se retrouve tout à l'heure, un petit peu après 14h, je me laissais une heure de battement, de flottement pour récupérer. Est-ce qu'on se retrouve avec le programme prévu tout à l'heure, dans une heure en gros, si j'arrive à réaccéder à mon compte? Espérons. Sinon, ça va être la suite de ça. Je vais me relancer sur Donjon Turismo 3, parce que moi, ça me procure beaucoup de plaisir. Ah oh là 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 là. Allez, qu'est-ce qu'il me dit au niveau de la messagerie? Il me dit que j'ai rien du tout. Oh, entre midi et deux, j'essaye de repointer mes autres comptes. Mais normalement, Steam ne me connaît pas d'autres adresses courriel. C'est quand même ballot d'en arriver là. C'est quand même ballot. Bon, allez, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a sur Steam. Qui c'est que je peux vous faire relais de chaîne? Wow, il y en a, je suis vraiment surpris par leur score d'audience. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Attendez, je rafraîchis ma... Ouais, le plaisir de rouler. Oui, c'est ça, Nainonet.
Non, sérieux? J'ai... Bah... J'ai soit les Sims 4... ouais, ou alors j'ai des... J'ai des Bibi, mais en américain, chez Almost Yeti. Alors, sans faire spécialement de sondage, il y aurait soit je vous fais un relais change chez Millistérique, là, je sais plus, la jeune femme, ça fait longtemps que j'ai pas suivi, mais elle propose des Sims, la version 4 des Sims. Ou alors vous avez des Bibi Marble on Stream, mais attention, on va chez un américain qui est Almost Yeti. Comme tu veux, comme tu peux. Oui, merci Olive. Moi, j'ai aucun souci avec la mise à jour de Steam. Bah moi, déjà, j'avais pas aimé la nouvelle interface qui est plus grasse, moins compacte que précédemment. Moi, ça me fait suer. Et là, je comprends pas. D'un week-end à l'autre, j'ai plus les codes d'accès. Ils m'envoient plus sur mon compte mail associé le code depuis ce matin. Je comprends pas. Les Sims 4 sont gratuits actuellement. Ouais, ok. Au Mexique, la société Steam a coulé. Tous les cactus. C'est quoi? Ah, fun fan. Ah, apparemment, il n'y a aucun truc qui vous plaît. C'est limite si. Oh, je vais pas couper brut. Je vais quand même respecter la tradition du relais de chaîne. Du relais de chaîne de Twitch. C'est quand même une belle tradition, ça, de se passer le relais. Est-ce que je vous mets avec l'américain Almost Yeti? Le problème, c'est que ça parle in English. Alors, la Jet. Bonjour, la Jet. Merci à toi de prendre le temps de m'écrire. J'espère que tu vas bien. Peut-être dans les spams, le message de Steam. Bah, figure-toi que j'ai regardé et j'ai rien non plus. Ouais, c'est un grand classique que de contrôler ses pourriels. Mais non, non, là, je comprends pas. Vraiment, le même courriel... Le week-end dernier, ça marchait nickel. Aujourd'hui, je relance 5 fois Steam et j'essaye même maintenant, là, je l'ai installé sur la tablette, une fois n'est pas coutume. Il me dit qu'il m'envoie un code sur mon adresse courriel, mais je reçois rien. Là, ce week-end, je ne sais pas pourquoi, je ne reçois rien. Maintenant, j'ai rien dans tout ce qui est spam, courrier indésirable, les autres branches de mon compte courriel, j'ai rien du tout. Je sais pas pourquoi j'ai pas mon code Steam de connexion. Alors que dimanche dernier encore, ça fonctionnait. C'est gros point d'interrogation. Je n'explique pas. Alors vous me dites quoi? J'aime pas Carlos. C'est un coup monté. Ouais. Tu as essayé depuis une page web? Non, à vrai dire, je me suis pas amusé. Mais en même temps, je sais pas. Ah, tu crois que le jeton d'identification serait commun entre le navigateur quand je fais en directement, comme tu dis, sur le web? Le jeton d'identification serait le même pour la version logicielle sur le même poste? Je crois pas. Enfin, j'ai jamais essayé, mais. Non, mais là, c'est casse-bonbon, quoi. Il faudra que je regarde ce midi. C'est bizarre. Bon, j'ai toujours... Oui, vive GOG. Oui, bah oui, si GOG n'a pas ces soucis-là, oui, vive GOG, forcément. Ça, c'est sûr que c'est moins frustrant pour les utilisateurs. Là, je viens de refaire bêtement en actualiser ma boîte courriel, mais il se passe que quick. Non, bah j'espère que mon compte est pas buggé chez eux. Qu'est-ce que je voulais? Oui, je voulais vous faire un relais de chaîne. J'en oublie le relais de chaîne, oh merde. Bon, alors, Crotoum, il y a vraiment personne d'autre qui diffuse en ce moment? Je vais vous mettre chez l'américain Almost Yeti pour les bébés. Surtout qu'il a pas grand monde. Bon, écoutez, je vous laisse entre les mains d'Almost Yeti, mais il parle qu'anglais, hein, c'est un américain. Et si vous voulez jouer au bibi avec lui, il a pas grand monde, ça lui fera plaisir. Moi, je vous dis rendez-vous dans une heure. Je reprends mon antenne à 14h30. Je vais essayer de me batailler pour reprendre la main, quoi. Donc, voilà, je vous lis très rapidement. Sinon, fais un mail. Oui, c'est ce que me dit Nainonet. Au pire, tu contactes le support pour leur dire il y a un truc, je comprends pas.
Bah, consciencieusement, je vais relancer mon Linux dans lequel j'ai tous mes mails pour voir si j'ai pas une déviation. Mais normalement, j'ai qu'un compte renseigné mail chez eux. Mais je vais voir, hein, tant pis. Oui, merci pour le bon app à vous aussi. Merci messieurs, tout à l'heure. Allez, je reprends. Allez, on va dire 14h30, je reprends mon antenne. Le temps de me remplir le bidon. Je compte dire 10 minutes, je crois, jusqu'à en demander un autre. Ouais, bah ouais. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Vous verrez sous quoi je redémarre. Ouais, ouais, merci, Tunsen. Tu dis résous tes soucis sur le site en ligne et après tu remets l'application. On va voir, je vais essayer ça. Allez, allez, les bibis, Sholmos City. Je vais lui faire un rapide coucou en américain. À tout à l'heure. Merci, bisous. Rendez-vous à 14h30. Merci, merci à vous d'avoir été là. Merci encore à Recif pour le relais de chaîne. Bisous, bisous. Alors, on must y aller. Mr. Nancy, how's it going? Yeah, I'm a right plonker sometimes. Thank you for the raid. How's it going? Welcome in, guys. Guys, you're not following Message de Nancy. You should go and check them out. I'm gonna certainly go and check them out and go and say hello. Gran Turismo, how's it going? Welcome in, guys. Hope you had a lovely stream. I go. Welcome to the Yeti Cave. We're going to be having a super chill day today. Lots of balls, stream raiders, some AI art on the side. I've got a lovely stream to save. Guys, if you're not following, there's a link in the description. Go head on over and check them out and go and say hello. Gonna go lunch now. Sorry, see you next time. No worries. Have a good rest and food and everything and all of the rest. And thank you for the raid. Have a lovely weekend. Nelly with the doves. Chef Shuvar and Abby. Top three. Congratulations. Yeah, I wonder what we could do with those balls. Maybe, I'm looking at all of them. Merci I'm already tout making plein up pour names cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue. Each one of them has got like, and because of that name, that means they've got a little story behind them each as well. With this, we could do. I'm hoping we can find something for them. I think there's definitely something untapped. I don't know. Nonetheless, I'm still gonna keep making them, and I love making them. They're so much fun to make. Regardless of anything, you know, if they get used for anything, I would like to see. It would be nice to. The peeps could have these. They're huge as well. Like I don't know if it's something the peeps should blow up and it's printable, but more collectible, I think. I could definitely give them out to two people that win things, and you get to, your own one-of-a-kind personal little marble with a name and blah blah blah, or you can name it kind of thing. But it would be nice if I got more involved than that. I'd love to see some of these. Can you imagine seeing a couple of these balls actually end up in a game? That would be insane. I'd be really chuffed. For me, that would be like next level. I mean, it's been great that I've managed to get my skin in the game, but to be able to like
come up with a concept, submit ideas for stuff that to be put in the game, and it gets in is really, that's sick. Oh, Nelly, you're stuck up top there, aren't you? I can see you from here. You've done yourself in there, right? Oh, that's a...